Bonjour. Bonjour, bonjour. Je suis en live? Je suis en live. Est-ce que je suis en live? Je suis en live, mais ma caméra n'est pas activée. Ah, voilà. Ma caméra n'était pas activée. Alors, petit réglage de début de live, évidemment. Est-ce qu'on me voit bien? On me voit bien? Beau gosse, tout ça. Oh là là, les mêmes blagues à chaque fois, qu'est-ce qu'on se marre ici? Alors, je vais de ce pas, excusez-moi, avant de vraiment commencer comme chaque fois, régler le son dans mes écouteurs, parce que la musique est forte du jeu, hein, quand même. J'aime bien la musique, mais elle est un peu forte. Voilà. Et je vais sortir mon petit tableau de bord. Et voilà. Nous y sommes. J'ai mon café. J'ai tout ce qu'il faut. Bonjour à tous. Bienvenue dans cet après-midi de week-end. Je crois que c'est le week-end. Je sais pas. Bienvenue sur ma chaîne, sur la O-Corp Gaming. Bienvenue les O-Corps. Alors aujourd'hui, petite session chillou. Chillou, on va chiller tranquillement. Sur un petit roguelike que j'aime beaucoup. C'est un des jeux que je joue de temps en temps. Je fais des petites sessions comme ça, j'adore ce jeu, je sais pas pourquoi. J'ai fait 2-3 sessions en vrai, pas beaucoup encore, mais j'aime bien, j'essaie de découvrir. Donc c'est parti! Voilà. Donc c'est un roguelite en 3D. Je vais mettre en crachant. Hein. C'est la difficulté. Et je vais choisir le personnage principal. Le personnage principal qui est le commando. Parce que je l'aime bien. Et on y va. Donc session chill, je vous laisse découvrir le jeu. Très sympathique, vous verrez, vous avez 4 compétences de base, vous pouvez avoir une compétence supplémentaire, une sorte d'ultimate qui peut vous aider. Vous devez le découvrir, vous devez tuer des monstres pour avoir de l'or, pour ouvrir des caches, pour avoir des bonus. Et puis vous allez voir en haut de l'écran, là vous avez vu, il y a une sorte d'onglet. C'est là que vous allez avoir tous vos bonus. Voilà. Alors, il faut juste que je m'excuse déjà. Hop là. Je vais changer la caméra parce que si on de la caméra, déplacer l'affichage de la caméra. Je vais me mettre peut-être au centre. Voilà, parfait. Alors, j'ai changé la caméra parce que en haut à gauche, vous voyez qu'il y a ma thune et mes pièces lunaires. Les pièces lunaires, c'est l'argent spécial du jeu qui vous permet d'avoir des choses un peu plus intéressantes comme power-up. Les caches oranges qui vous offrent une pièce utilitaire, soit une utilisation. C'est pas ouf en vrai. Alors, je dis que c'est pas ouf parce qu'au début du jeu, la difficulté elle augmente tranquillement, c'est chill et tout. Dès que vous arrivez à difficulté max et tout ça, le fait de vous soigner en vrai, vous en foutez un peu parce que vous aurez assez de trucs pour vous soigner vous-même et c'est. Les mobs, il y en a beaucoup qui peuvent vous one-shot, donc en vrai, l'utilité de se soigner quand on peut vous one-shot, et bon, elle est pas là. C'est un peu long au début, hein. Après ça va bouger un peu plus vite. Comment on revient là-dessus, ok. Donc le commando, si jamais je vais vous faire un peu le tour de ses compétences dès que je peux. Donc vous avez le tir principal. Voilà. Petit double gun. Vous avez le tir avec R1 qui vous permet de faire une salve très rapide. Je vais juste m'occuper des mobs avant de vous faire la suite. Sont relous en fait.
Voilà. Juste monter un peu, voilà. Donc vous avez le saut normal, vous avez le L1 qui permet de faire une sorte de roulade, que ce soit en l'air ou pas, une esquive. Et le L2 qui fait un certain nombre de dégâts, mais qu'il faut viser. Voilà. Hop là. Donc vous avez aussi des tourelles que vous pouvez allumer de toutes sortes. Et en soi, c'est pas si mal que ça, hein. Vous verrez. Voilà, elle gère un peu sa race. Surtout au début de game. Et ça me permet de me faire de la thune. Assez rapidement. Alors ce jeu, si jamais, si vous avez les moyens, je le trouve très sympathique. Il est jouable multijoueur jusqu'à 4 joueurs. Et en vrai, c'est pas mal. Qu'est-ce que c'est, un drone mitrailleur? Bon voilà, un autre drone. En vrai, il est vraiment pas mal, je trouve, en multi. J'ai déjà fait petite session avec le poteau Curtis. Et en vrai, c'est sympa. C'est assez sympa. Et moyen de vous amuser. Alors, le jeu de base a été remanié. Il faut savoir qu'au début du jeu, le mode solo, ou plutôt le mode principal, on va dire, parce que vous pouvez faire en mode duo. Le mode principal du jeu, il y avait qu'un mode en fait, et il était infini. Hein. Vous enchaîniez les mondes, et puis dès que vous avez fini tous les mondes, vous revenez au premier monde, etc. Je trouve toujours trop fort le jeu. Voilà. Peut-être que c'est la musique en soi qui est trop forte. Voilà. Maintenant ils sont remaniés, en fait c'est assez sympa parce que vous avez une pseudo histoire. Vous allez jusqu'au boss de fin, vous tuez le boss, enfin bref. Voilà. Et ça rend le jeu intéressant. Il y a des modes supplémentaires. Apparemment, il y a le mode Eclipse que j'ai pas encore essayé parce que, en fait, ce qui est compliqué en mode Eclipse, c'est de commencer en mode mousson. C'est le mode difficile et il faut savoir que c'est vraiment pas évident, je pense. Même pour moi, j'ai déjà fait des sessions, c'est pas évident à jouer. Donc, je me suis pas étonné, mais apparemment, le mode Eclipse est assez sympa vu que quand vous faites le jeu, vous recommencez le jeu avec des bonus en plus. Et vous enchaînez, et le but, je pense, c'est de tenir le plus longtemps possible. J'imagine. A savoir que même dans le mode comme ça, solo, vous pouvez faire pas mal de monde parce que vous pouvez trouver des secrets dans le jeu, des portails et tout, tralali, qui vous permet de revenir en arrière, en fait. Qui vous ramène au début du jeu. Alors du coup, je vous ai dit les power-up, il y en a énormément, il y en a beaucoup. Alors là, vous avez vu, j'ai chopé une clé qui est dans mon inventaire en haut. Attendez. Franchement, je vais mettre ma caméra ailleurs. On va me casser les couilles, là. Je vais mettre là. Est-ce que ça passe là? Ouais, c'est bien là. Voilà. Vous avez une clé. En fait, ça vous permet d'avoir une chance de trouver un coffre rouillé. C'est pas un coffre comme ça, vraiment un coffre gris dégueulasse qui a un item dedans. Yo, Zai. Namasté, mon ami. Comment il va, le Zai? Et là, vous avez une guitare, donc vous avez. C'est le base classique RPG pour les raretés des objets en blanc, vert, bleu, rouge, tralali. C'est connerie du genre. Comment il va, le Zai? Est-ce que la journée se passe bien? Ouais, ça va. Ça va. Est-ce que par hasard, tu arrives à me dire, est-ce que tu as vu la notif que j'étais en live ou pas du tout? Ou c'est purement et simplement du hasard? Parce que la dernière fois, j'ai pas eu de notif. Personne n'a été notifié que j'étais en live. Et donc, ça m'a broyé un peu les testy balls. Donc, est-ce que tu as reçu une notif que j'étais live ou pas du tout? Sinon, il faudra que j'aille contrôler. Après, j'aurais pu faire l'effort de faire un petit message sur le Discord de Curtis. Mais flemme. Ok. Ok, ça marche.
Faudrait que je demande. Faudrait que je demande. Parce que la dernière fois, j'ai personne n'a reçu de notif que j'étais live. C'est ma copine qui m'a fait remarquer ça. Et ça m'embête un peu, hein. Donc vous voyez, on chope des éléments assez sympathiques qui boostent notre personnage. Un verre, c'est cool. Chance d'obtenir un pack de soutien qui réussit tous les temps de recharge. Donc, il y a des ennemis tués. Savoir que vu que j'ai déjà joué, j'ai déjà un peu mes items favoris hein, dans le jeu, et évidemment mon objet de base favori est la tridague hein, qui permet de créer des saignements sur les ennemis, et plus on en a plus les saignements montent vite. Et je peux vous dire que avec ça vous pouvez one shot n'importe qui au bout d'un moment, c'est sympa. On va passer au level 2, je vais vous montrer comment ça se passe. La guitare est cool. La guitare est cool, en vrai moi je joue beaucoup seringue et tridague de base, donc augmenter ma vitesse d'attaque et les saignements, et en fait ça fait un carnage après, c'est déjà pas mal. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, associer le téléporteur qu'il faut activer, il faut le monter jusqu'à 100% et évidemment ça fait pop un boss d'un Red Scarab. Voilà, il y a une tourelle à côté en plus, c'est cadeau. Le premier boss c'est jamais le plus dur. Hein. Surtout qu'on est pas trop emmerdé. Ah le shield. Alors petit truc un peu chiant qui pourrait améliorer avec un système de je sais pas de petits marchés qui pop à la fin de la game, c'est qu'entre chaque monde vous perdez votre thune et c'est un peu dommage. Rien ne vous empêche de faire le tour de la map à la fin avant de prendre le TP pour essayer de choper des power-up hein. Comme là-bas, comme vous pouvez le voir, on voit d'ici d'ailleurs, là-bas au fond, tous les power-up qui sont pas encore pris, ils ont une sorte de tentacule autour d'eux, car vous pouvez pas vous power-up pendant la phase de TP. Et donc vous les voyez de loin, vous savez que là-bas il y a un truc à prendre, et pour la peine on va les prendre. Parce qu'on est un thug. Hop là, j'utilise mon ulti, mon triangle parce que c'est fun. Parce que ceci ne sert à rien. Ouh! J'ai failli tomber. Donc si vous tombez, vous ne mourrez pas. Non, vous réapparaissez avec la moitié. Exactement. Et oui, celui qui a fait le jeu, à mon avis, il avait des bonnes références. Quand je dis tentacule, ouais, en vrai, oui, c'est tentacule. Donc, il y a un coffre en dessous, là. Et c'est quoi que j'ai vu au loin? Ah, c'est l'imprimante. Alors, tuto imprimante. Bienvenue dans ce tuto pour comment on utilise l'imprimante. Alors, pour tout le monde, l'imprimante, c'est ça. L'imprimante 3D. Donc, ça vous propose un objet que vous pouvez dupliquer contre un autre objet de même rareté. Donc là, vous pouvez, si j'appuie, ça va me prendre un objet blanc aléatoire et ça va me donner cet objet. C'est très bien si vous voulez, si vous tombez sur l'imprimante avec un objet que vous kiffez, comme moi, la dernière fois je suis tombé sur l'imprimante avec la tridague. Je me suis fait un petit level 10 tridague pour du saignement. Et du coup, permet de courir plus vite. C'est très pratique. Et vous tombez sur des imprimantes des fois de différentes raretés, c'est sympa. Il faut savoir aussi que vous pouvez trouver des caches. Vous pouvez jeter des objets. Si jamais vous ne voulez pas, il y a certains blocs où vous ne voulez pas, même si au début du jeu vous vous dites que tout est utile, et je suis d'accord,
Bombe collante, c'est bien aussi. C'est pas mal. Il y a 2-3 objets qui ressortent du lot, ouais, j'avoue. Et donc cette cache où vous supprimez vos objets vous donnera une pièce dite un peu inutile, mais qui vous servira juste à faire du craft dans l'imprimante. Donc sans utiliser vos objets, ça va prendre ces objets en priorité. Ce qui est en soi... Il faut savoir que dans la cache où vous supprimez les objets, c'est vous qui choisissez quel objet supprimer. Donc en vrai, l'utilité, c'est que ça vous permet de supprimer des objets que vous voulez vraiment pas et que vous savez que vous allez transformer plus tard. Soit... Ah, les bombes collantes, j'aime bien. Ouais. Après, il y a plein d'objets dans le jeu et j'ai pas encore tout découvert parce que... Ouais, voilà, ça c'est un coffre rouillé. Donc j'ai la clé, donc je vais pouvoir l'ouvrir et ça me donne une trousse de soins. Hein. Qui est pas mal, les objets de soins, c'est pas mal. Les hôtels d'offrande. Alors, les hôtels d'offrande, je ne peux pas l'activer parce que je n'ai pas de thunes, comme j'ai dit, j'ai pas. En gros, vous pouvez faire pop 2 objets. Mais c'est random. En gros, c'est du... Je sais même si ça se trouve, ça doit être du 50-50. En vrai, 50% vous avez de la chance de faire pop. 50% vous avez pas de chance de faire pop. Et c'est ça à chaque fois. Et en fait, le prix augmente à chaque fois. Donc si vous avez de la chance, vous faites 2 offrandes, vous avez 2 objets. Si vous avez pas de chance, vous faites 10 offrandes et vous avez pas d'objets. Après, 10 offrandes, c'est abusé. Mais voilà. L'hôtel de sacrifice, appelons-le comme ça. Hôtel de sang. Vas-y, appelons-le un chat. Donc là, en fait, ce qu'il va faire, c'est que ça va vous donner plein de thunes en l'échange de 50% de vos points de vie. Et voilà. Donc vous voyez, j'ai perdu la moitié de mes points de vie, mais j'ai de la thune. Donc c'est intéressant parce que... On peut faire une offrande et j'ai rien reçu. Donc 36 boules à la poubelle, 50, ça passe. Activation d'un objet, on va des feux d'artifice sur ses ennemis à proximité. Mais c'est génial. On adore. 70. Yo, lady. Lady Joy. Lady Joy B. Mais ça, je connais ce petit nom là. Comment ça va? La journée se passe bien. Ah, chance de lancer un missile, c'est pas aussi mal non plus. Voilà. Terrible. Ah ouais, à ce point-là. Évidemment. Qu'est-ce que ça fait de beau, lady? Ça mange? Est-ce que ça mange? Est-ce que tu manges? Est-ce que tu es en train de manger? Là pareil, hein. Donc, les hôtels de sang, il y a 3 paliers, 50%, 75% et 93%. Donc autant vous dire que faut éviter qu'il y ait trop d'ennemis dans les alentours au moment d'activer le troisième palier parce que ça peut vite déchanter. Ok, let's go. Donc voilà, voilà. En vrai, j'adore la musique, mais la musique, elle est quand même bien psycho, hein. Voilà, on se demande où on est, hein. Mon perso préféré. Ben, je les ai pas tous déjà, donc c'est un peu chaud. J'ai pas tout, donc j'ai pas tout testé. Hein. Là, j'ai le commando, le robot, le ce qu'ils appellent l'artificier, mais en gros c'est le mage. Hein. La chasseuse est cool. J'avais le jeu avant sur PS4, donc j'ai pas gardé la sauvegarde en gros. J'avais eu le samouraï, je crois, le ninja. Je suis
suis pas fan. Le robot, je suis pas fan. Il y a le scanner radar. Ça, c'est stylé. Ah ouais. En vrai, ça, c'est bien, ça. Pour le début de game, c'est cool. Le capitaine, là, quand tu finis le jeu. J'ai testé, c'est pas mal. Bah pour l'instant je pourrais pas te dire vraiment, j'ai pas vraiment de préférence. Après le commando je trouve vraiment équilibré, donc voilà. Donc voilà, là, transformer vos objets, vous pouvez transformer n'importe quel objet en objet d'imprimante en fait. C'est des cages comme ça. Alors, en vrai le scanner c'est trop bien. Enfin, vraiment de maxer les objets rapidement en fait. Les 3-4 premiers niveaux c'est bien. Alors, là pour ma préférence de build, ça va être les lunettes, évidemment, pour les critiques. Donc les lunettes que je connais assez bien, donc une lunette ça fait 10% de chance de faire un critique qui double les dégâts. 10% c'est pas mal. Ah, un objet, infligez des dégâts pour me récupérer des points de vie. La graine sans su, c'est bien. On kiffe la graine sans su. Pareil, hein. Je sais pas pourquoi je le focus d'ailleurs, c'est de la merde. Mais tu vois, en fait, j'avais joué à l'ancienne version et j'ai arrêté pendant un moment. L'ancienne version sur PS4, et dès que j'ai repris la PS5, je me suis dit, je vais le télécharger, je vais peut-être jouer un jour. J'ai repris il y a pas très longtemps et j'ai vu des changements, notamment l'histoire qui se termine avec le boss. Le fait que visuellement t'aies tous tes objets sur toi là, je recommence à ressembler à rien, mais j'adore quand même, il y a du progrès. Et deux, trois petites autres choses, j'ai vu qu'il y avait des nouveaux persos aussi. Je sais pas, je vais prendre la cartouche, le double chargeur. Donc, le double chargeur va me rajouter un coup L2 en plus. Toutes les compétences ont une charge, en gros, avec un cooldown. Là, avec certains bonus, pour moi, va avoir plusieurs charges. Ce qui rapporte quelque chose, les compétences sont pas là pour rien, en vrai. Quelque chose là-bas. Ah mais je suis pas allé là-bas. Ok. On va aller là-bas. Oh ça va, toutes les 30 secondes je peux scanner et tout. Ah, un autre hôtel. Deux hôtels d'offrande. Mais nous sommes heureux, nous aimons gaspiller notre argent. Ah, les coups critiques améliorent votre vitesse d'attaque. Ça c'est un bien, j'aime bien l'instant de prédateur. Un deuxième instinct de prédateur, mais c'est beau. On va taper de la vitesse d'attaque. Et ça, c'est beau. Ok, il y a bien quelque chose en dessus. Oui, c'était l'autre hôtel. Je l'ai dit. Qu'est-ce qui me lâche? Un recycleur. ...78 et je ne peux plus m'en payer. Oula, c'est qui pique. Pique un peu le vilain, hein. Calmez-vous. C'est quoi le recycleur déjà? Transforme un objet en équipement en un autre. Heureux. Une seule fois. Ah. Vas-y, hein, je vais recycler le radar. Hop. Ah, le volcanique, je trouve fun. Même si c'est un peu Osef. Hein. Moi, j'aime bien le scanner de combat qui augmente tes critiques ou le truc qui te rend frénésique. 191 dollars. C'est un peu cher, os. Hein. On reviendra. Ouais, c'est fun. À chaque fois que j'ouvre un truc, ça fait des feux d'artifice. Infligez des dégâts supplémentaires aux ennemis à proximité. Ouais, multi-dégâts. Un effet d'AOE un peu, c'est sympa. Permet de se déplacer plus rapidement. Ok, let's go. Donc on est en ennemi en difficulté.
Oui, je vois. La chargeuse, ouais. Ok, ouais, c'est sympa. Après, en fait, c'est assez. J'ai trouvé assez compliqué le fait de. En fait, ils t'introduisent avec. Tu commences avec le commando. Et en gros, tu chopes la chasseuse assez vite. Et ce qu'il y a, c'est que. On t'introduit des persos qui sont à peu près équilibrés, notamment qui ont le L1. J'ai le L1, donc l'esquive. La chasseuse, elle a aussi une esquive. Et franchement, en fait, c'est quelque chose qui est fort pratique. Et qu'il n'y a pas forcément dans les autres persos. Et j'ai joué avec bah, le robot par exemple. J'étais là, what? Je me sentais lourd. En fait, c'est dans le gameplay, je me sentais lourd à jouer, tu vois. Parce que là, on peut bouger assez vite. On va. Après, je dis ça, il a le turbo, le robot par exemple, tu vois. Mais quand même, il y avait cet effet genre lourdos. Et j'aime pas quand tu joues des persos assez équilibrés, qui sont assez rapides, forts, etc. Et derrière, tu joues un autre perso qui est assez lourdos dans le gameplay. T'aimes, ouais. Il y a cet effet lourdos qu'il y a dans tous les jeux. Oui, la chargeuse, oui. Je disais juste par rapport au côté équilibré du game. Oh, vas-y, donne-moi un objet là. Oh, le cul. Mais la chargeuse, je crois que je l'avais dans mon compte là, je l'ai pas dans celui-là. Je l'ai testé vite fait. Après, je pense qu'il y a des persos qui ont été pensés pour jouer à plusieurs en vrai. Vas-y, let's go. Allez, tu veux miser? La prochaine, ça passe ou pas? Bon, déjà, la prochaine, faut que je trouve des ennemis à tuer là. Vas-y, donnez-moi de la thune, les mecs. Merci.367. Eh mec, j'ai besoin de 367 dollars pour l'hôtel. Vous avez pas un peu de monnaie? Avant de citer, tu vas demander et tout. Je ne sais pas où ils sont. Let's go. Ils veulent pas me lâcher plus d'élite là, histoire d'avoir un peu plus de thunes. Ah merde, j'ai pas mis. Ouais, j'ai oublié, hier j'ai débloqué, j'ai fait une session hier et j'ai débloqué l'artefact. Code d'honneur. Qui fait qu'il y a que des élites qui spawnent. Et en fait, j'ai oublié de l'activer puisque c'est le 300. Oh, une pièce lunaire, let's go, la pièce lunaire. Non, je crois pas. Faudrait que je regarde sur les formes, mais je crois pas que le crossplay est déjà actif, malheureusement. Ça aurait été avec plaisir, hein. Malheureusement, n'étant pas un joueur PC et n'ayant pas encore les moyens de t'acheter une console, tu m'envoies un avrézaille pour bientôt, un jour. Allez, c'est la bonne ou pas? Est-ce que c'est la bonne? On va prendre une petite gorgée de café. Et non! C'est pas la bonne! Fuck you! J'ai envie de dire fuck you, quoi. Quel malpoli, ce garçon. J'aimerais bien, franchement. J'aimerais beaucoup. Bah, si ça se trouve, d'ici là, tu vois. D'ici là, ça se trouve, tu vas jouer en scred dans ta chambre dans le noir et puis tu vas devenir giga fort. C'est possible, hein. J'ai une connaissance avec qui on jouait. On jouait avec deux potes, tu vois. Le mec qui jouait support, il jouait que Baptiste quasiment. Et il était mauvais. Il était mauvais en vrai. Et là, j'ai vu ses cotes récemment parce qu'il relance des fois le jeu. Le mec, il est diamant, il est presque master, le mec.
J'ai halluciné. J'étais là, sérieux? En fait, le gars, il a tryhard le jeu dans sa chambre dans le noir. Il a trouvé une team pour bien l'aider. Et puis, let's go, il a tryhard comme un porc. Ouais, le problème, c'est que c'est ça, Overwatch. Tu dois stack 6 si tu veux progresser. D'ailleurs, les rumeurs par rapport à ce qu'on a vu sur Overwatch 2, les rumeurs actuellement disent que peut-être le jeu va passer en 5v5 comme la majorité des jeux. Vu qu'on a vu du gameplay où il y avait beaucoup de 5v5 à la BlizzCon. Bon, je vais passer à un autre monde. Je vais vite chercher le TP. Il est où ce TP? Les Lucioles. Les Lucioles. Where are you, Luciole? Je vois pas. Ils sont là-bas, les Lucioles. On est d'accord? Le TP, il est là-bas. Oui, non. Non, c'est pas ces Lucioles-là. C'est pas ces Lucioles-là. Si, il y a des lucioles, le TP est pas loin, je suis sûr. Il est de l'autre côté, il y a une salle secrète ultime que je connais pas, j'ai oublié. Après, le format 6v6, let's go, je savais. Oui, le format 6v6, comme bien Overwatch. En plus, je trouve que ça fait quand même un certain équilibre d'avoir du 2-2-2, tu vois. Ça, c'est un truc qu'ils ont mis en place et on va pas leur reprocher ça, c'est bien. C'est juste les gens qui jouent, ils sont aux F. Pas encore compris le principe pour la plupart. Après, je dis ça à toi qui joues à LoL, je pense que c'est pareil, hein. Chacun joue, certains doivent jouer leur rôle en vrai. Oh là là, mais je te tape des critiques de ces morts là. Vas-y, moi je te prends frontal, rien à foutre. Let's go, le titan de pierre. Hop, on fait un petit tour en neuf. Ça, c'est mon multi. Je me transforme chez des dégâts et puis. Ah, merci DPS. En vrai, je pense que toute merci de bon niveau doit pouvoir, si elle se fait agresser en majoritairement évidemment, doit pouvoir sortir le gun, le piou piou. Elle doit réussir à gagner des duels, hein. Moi c'est ce que je fais souvent quand je joue Mercy. Je vois que je me fais agresser genre en flanking, je sors le piou piou et je fais duel et c'est con mais ça m'arrive de gagner plus souvent que je perds mes duels et je me dis que c'est pas une mauvaise chose. Et c'est triste à dire, hein, surtout pour une Mercy, parce que Mercy c'est vraiment le perso dans le jeu qui n'a ni counter, qui ne peut counter personne, tu vois. C'est-à-dire, tu peux pas faire, je sais pas, un tuto sur le jeu et dire, tu fais le tour, genre tu veux faire un tuto de personnage, genre faire un tuto sur Bastion, et dire quel personnage est fort contre lui, quel personnage est faible contre lui. Tu pourras jamais citer Mercy. Tu pourras juste dire Mercy, ben c'est Mercy, quoi. Tu vois. Parce qu'en soi, elle a pas de potentiel de counter sur aucun des persos. C'est un perso très spécial, merci en soi. Et c'est le perso, oui, je vais activer le TP. C'est le perso qui. Le perso qui définit le plus le mot soutien ou support, ou peu importe, je pense. Vu qu'elle fait que ça, elle fait du support. À fond. L'étendue brûlée, let's go. Alors, nous avons... Ah, vous voyez cet objet là, la petite tridague. C'est ça qu'il me faut. 112$ TTC. Ouais, ça pop dans mon dos comme ça au KLM. J'essaierai, je pense. Les jeux qui ont de l'engouement comme ça, qui font beaucoup parler et jaser, j'aime passer un peu de temps dessus en soi, pour me faire mon propre avis. Et
malheureusement, voilà, c'est comme on en parlait plus sur le stream du poteau. Curtis, malheureusement, les jeux sont dictés par leur communauté maintenant. Un jeu est bien, mais il est bien en soi, mais il n'est pas bien à cause de la commu. Et c'est triste, quoi. Let's go. Trilag. Et c'est dommage. Vous êtes vénères, les mecs? Qu'est-ce que je vous ai fait? Je vous connais pas. Ça sent la discrimination, ça. C'est pas bon, hein. Pas des gens. En plus, ils attaquent mes tourelles, là. On n'aime pas la technologie. Ça vous regarde, les mecs. Allez, hop là, c'est un peu de thunes. 118 pièces d'or, c'est pas trop mal. Yes, une canette d'Energy Drinks. Un steak. Ah, le steak, c'est bien le steak. On aime les choses qui vous redonnent des points de vie. On aime ça. Là, je fais profil bas, hein, le temps de récup. Ah merde, j'ai la régène qui sert. J'ai la régène rapide hors combat, donc. En vrai, ça remonte assez vite. Plus le robot en soi, je ne crains rien. Je suis sauvé. Ah! Bien sûr! Attention, je dis pas que c'est une mauvaise chose. Je pense que c'est tout à fait normal. Dans un sens, c'est normal que le jeu soit dicté par la commu, tu vois. Après, c'est juste que. Ben, comme on dit, c'est la toxicité, quoi. C'est la qualité de la commu qui fait le jeu. Et LOL est là. LOL a pas vraiment une bonne répute parce que la qualité de sa commu donne du rêve, quoi. Oh yes, ça a marché. Let's go! Il faudrait vraiment que je trouve un objet. Une plume, ce serait bien en soi. On revient. Ou je sais plus ce que c'est l'autre objet qui me donne une charge de L un peu supplémentaire. Mais je l'aimerais bien pour avoir un peu plus de mobilité. Putain, y'a combien d'imprimantes dans le coin? Venez faire imprimer vos objets en 3D. Bon, c'est bien. Ça, j'avais vu. Là, il y en a une troisième. Ça, c'est pour. C'est pour l'absorption des dégâts, me semble. Je suis pas du genre à recycler, hein. Let's go, lunettes. Donc, j'ai deux lunettes, ça fait 20% de chance. Un équipement. Ouais, tiens, je vais lui donner mon œuf. C'est rigolo d'avoir le drone équipement. En fait, le drone équipement, vous pouvez le réveiller en lui donnant votre équipement avec triangle. Et il va l'utiliser de temps en temps. Ah! Est-ce que le fait d'avoir les clés, ça augmente le pourcentage de trouver un coffre rouillé? Parce qu'en vrai, je m'en tamponne un peu. On est d'accord? On est d'accord. Je vais m'occuper de ces vilains. Et je vais transformer une de mes clés en objet imprimante, je pense. Ah ouais, mais là, il y a la famille qui arrive, là. Let's go. Une clé, ouais. Non, ça prend les deux? Ah, sérieux? Je savais pas. Ok, donc tu peux. Ah, ça, c'est un des avantages, alors. Bon, ouais, en soi, la clé, on s'en bat les steaks. Je savais pas, ça prenait les deux objets. Je me suis fait. Pound. Poum, poum, poum. Je savais pas. J'ai appris quelque chose aujourd'hui. C'est cool. Vous saurez que le désavantage de faire ça, c'est que vous pouvez choisir les objets, mais c'est le stack complet qui part. Voilà, donc là, c'est mon robot qui s'est transformé en œuf magique. Comme ça, c'est super chelou. J'ai vraiment pas encore assez de force de frappe, hein. Si j'arrive à augmenter mon.
Est-ce qu'il y a quelque chose ici? Faut savoir, il y a un petit peu de random dans les maps quand même. Il y a des zones qui sautent, d'autres qui se ferment. Là, le pont, des fois, il n'est pas là. On pouvait aller sur cette plateforme, sur cette petite, ce petit îlot isolé, en sautant. Il n'y a rien. Là, il y a un pont qui vous amène, mais il n'y a rien quand même. Aveuglé. Est-ce les lucioles sont-elles là-haut? Il me semble, hein. Elles sont sur la hauteur, les lucioles. Il y a un hôtel là. J'ai loupé l'hôtel. Really? Really? Donc, je vais pas utiliser mes objets d'imprimante si jamais, parce que les imprimantes là ne m'intéressent pas. Oui, donc l'hôtel est là-haut. Let's go first! Qu'est-ce que j'ai? Chance de provoquer un étourdissement, ok. Est-ce que ça passe au deuxième? Est-ce que ça passe au deuxième? Let's go! On est refait. Ça, c'est des hôtels qu'on aime. Obtenir une barrière temporaire en cas d'ennemi tué. On a de la thune, on va se faire plaisir dans cette zone. Ça ne finira pas comme il faut. Le petit fruit qu'il a dans l'envie. Et. Ralentis l'ennemi en cas d'attaque réussie. En soi, c'est pas mal. Terre, combien d'imprimantes? C'est ouf! C'est le monde de l'imprimante, de l'imprimerie. Nous sommes chez HP. Monde d'HP. Ouh, ça c'est pas mal ça. Ça m'intéresse. Je vais choisir mon objet. Et alors, la scie, c'est rigolo. Ça c'est la mitrailleuse qui coûte de la thune. Et ça c'est la sangsue qui redonne. Je sais plus ce qu'elle fait. Elle redonne des points de vie, je crois. Je vais prendre les scies. Hein, ouais. J'aime bien ce qu'il y a offensif en termes d'utilitaire. Là nous avons. Le steak ou random. Qu'est-ce qu'on prend là? Est-ce qu'on prend le random ou pas? Le steak c'est bien, hein, mais qu'est-ce que tu me conseilles? Le choix entre le steak ou du random. Qu'est-ce qu'on va prendre? Random c'est marrant. Et je suis d'accord avec toi, c'est toujours sympa de tomber sur quelque chose d'autre. Et c'est le cristal qui est pas mal en soi. Let's go. En vrai, j'aime bien le côté random dans le jeu quand c'est possible aussi. Donc, c'est vrai que je prends souvent random. Sauf si c'est vraiment un truc que j'ai besoin. Comme les tridacs par exemple. Que je n'ai toujours pas. Une fois un tridac, c'est daubé. Il faut que j'arrive à en faire un x2 déjà. Ok. Cristal sur la chargeuse. Oui. Ah bah voilà, coffre rouillé, et on a tome de gore, chance d'obtenir un trésor en cas d'ennemi tué. Ça c'est quoi? C'est la graine. Ça c'est bien ça en vrai. Vas-y, je vais prendre un... Ouais, les cartouchières, je m'en bats les steaks, vas-y, donne-moi. Vas-y, je te redonne une... Ops. Parfait! Voilà, une graine 108 x 3, ça c'est bien. Comme ça je récupère des points de vie quand je fais plus de dégâts. Ouh, un vilain, tiens. Je coupe en deux. C'est trop marrant. L'équipement, l'œuf sur le drone, c'est Nawak. Est-ce qu'on a fait à peu près le tour? Je pense que oui, ce monde est pourri, je ne l'aime pas. Il y a 2-3 mondes comme ça que je n'aime pas du tout. Ah. Le Silu garde. Il est où? Il est là? x7, on est à x7 sur le saignement, x9. On est bien x12, oh là là, ça commence à descendre les points de vie là. Tiens, on lui envoie des scies. Voilà. Allez, c'est les critiques surtout. Hein. Le côté genre. C'est le masque. Le masque qui fait que quand je fais un critique, ça augmente ma vitesse d'attaque.
en fait, ça commence, tu commences à tirer plus vite et tout. Et justement, avec la tridague derrière qui fait les saignements, ça fait augmenter les saignements encore plus. Let's go, encore une graine de sangsue. Ouais. Bon, boss. Ouais. En vrai, le relou, le boss relou, je sais pas lequel c'est. Le verre de magma est quand même bien relou. Pour le concept de, du verre qui se déplace là. C'est juste le boss, tu dis il est relou. Il est relou. Tu peux rien dire d'autre de ce boss. Le mec il se balade et tout, des fois il se balade longtemps. Ça va, robot? Tu t'amuses avec ton œuf? Ok, cool. Chacun son délire, les gars. On est bien, on est bien. On s'en sort bien. Bon, par contre... L'appel de la sirène, il y a un truc à faire ici, je le sais. C'est trouver l'hôtel de je sais plus quoi. Je vais fouiller si j'ai de la chance. Oui, clairement. Et j'ai fait une game. Ah, il y a un. Ben voilà, il y a un verre de magma, genre random, comme ça. Même pas le boss de jeu, parce que c'est malade. Vas-y, on va le bouffer. Hein. Il est en train de prendre ses verres. En vrai, contre lui, le saignement, c'est fort sympathique. Hein. Je t'avoue. Des fois, je le laisse mourir tout seul, comme un grand. Je vais m'occuper du feu follet là parce qu'il va me casser les bonbons. Parce qu'il n'y a pas que lui apparemment dans le coin. Voilà. Là il commence à bien ramasser lui là. Vas-y, fais pas le kéké là, meurs. Merci. Let's go. Oui, donc du coup, oui, ce que tu disais, c'est vrai, ouais. Et j'ai joué avec Curtis et on a eu des objets fort sympathiques qui sont tombés contre les boss. En plusieurs exemplaires, effectivement. Et il faut, je pense en plus, alors, je sais pas si c'est vrai, parce qu'on a joué avec Curtis. Il y avait un moment où il y avait deux objets qui tombaient. Il y avait des moments où il y en avait même trois. Donc je me demande s'il n'y a pas un pourcentage de drop qui est, où tu as des chances que l'objet qui tombe soit doublé. C'est possible. Parce qu'il y a des moments où il y avait trois objets qui tombaient en fait. Ou alors c'est un bonus qui donne ça, je sais pas. Mais en vrai... je sais qu'il y a des trucs secrets un peu dans tous les mondes. Je ne connais pas ça... qu'il y a un truc à faire dans ce monde. Dans l'appel de la sirène, il y a un truc à faire. Ah, le cube! Alors le cube, il est bien pour faire un exploit dans le jeu. J'aime beaucoup l'utilisation du cube. Ou la mécanique très sympa. De soins, on apprécie toujours. Là, pour l'instant, ça me saoule parce qu'en termes de mobilité, j'ai pas eu énormément de choses. Hein. J'ai pas de double saut, pas de truc. J'aime bien être très mobile. Il y a un truc caché par là. Je connais pas les emplacements des hôtels de Triton ni des trucs lunaires donc. C'est souvent random des fois. Sauf l'hôtel de Triton, je crois que c'est pas random, mais je sais pas. Je sais qu'il est placé à un endroit bien relou quoi. Hansai! C'est quoi pour le fun? Je vais prendre le cube. Ouais, mais je crois.
C'est. Je connais pas tous les trucs secrets dans les maps encore, tu vois. Je dis, c'est tout récent pour moi ce jeu, mais j'ai vu qu'il y avait quand même des trucs cachés dans certains. Et après, le truc, c'est qu'il y a des trucs. C'est aléatoire, il y a des choses qui sont activées des fois, d'autres. T'arrives sur la map, il n'y en a pas qui sont activées. Oh, tu te calmes toi? Tu te connais? Il vient de sauter, il vient de mourir. Tiens. Merde, j'ai loupé mon cube. Je l'ai bloqué dans le truc. Ou alors ils ont changé la mécanique. Non, j'ai dû le bloquer. Il y a un truc lunaire là. Let's go, j'adore. Parce que ça peut t'offrir des trucs. On va ouvrir le truc, la capsule lunaire. Parce que je m'en fous d'économiser. Laissez tranquille s'il vous plaît. Merci. C'est le scarabée. J'adore le scarabée. Hop. Quoi le nid? Où ça le nid? Où tu as vu un nid? Le scarabée. Dans le cargo à côté du lunaire. Mais si, il y a un nid. Ah, ça? C'est un nid, ça? Comment tu le détruis? Ah, je l'ai détruit déjà. Okay. Oh, je vais donner le cube à vos poteaux. Ça peut être sympa. Du coup, j'ai deux drones utilitaires. Je le fais le. Ok. Ok, il y a des nids cachés. Ça marche. Ah, merci pour l'info. Tu m'amuses à aller chercher. Donc, oui, le scarabée qui transforme tous vos points de vie en bouclier avec seulement un HP. Et ça a un certain avantage. Il me semble que vous êtes beaucoup plus résistant. Il me semble, je veux pas dire de bêtises. Parce que j'ai pas lu dans les. Il n'y a pas beaucoup de détails in-game, mais dans le journal hors-game, vous avez plus d'infos sur les détails de l'objet. C'est assez intéressant en soi. On va tirer un deuxième cube. Bon, je vais me suicider. Ah oui, ça aussi. Quand vous apprenez l'escarabée, que vous remplacez tous vos PV par votre bouclier. Vous n'avez pas de dégâts de chute, donc vous sautez dans le vide, ça vous fera pas de dégâts. Et ça y est, une plume. Là, j'hésite pas. Hein. La plume, donc le saut supplémentaire. Ça fait du bien. Oui, effectivement, mais là, du coup, ce serait pas mal de pouvoir les... C'est là que, du coup... Tout ce qui est, en fait... Oui, donc du coup, le shield, comme Zay l'a dit, le bouclier, il se régène automatiquement. Quand vous prenez pas de dégâts. Donc tout ce qui est vous gagnez de la vie, vous récupérez de la vie, etc. Normalement ils sont pas actifs. Hein. Vous voyez même le surbouclier après que vous avez tué des gens, vous regardez si quand je vais le tuer là, il va disparaître mais instant quasiment. Vous voyez que mes points de vie redescendent parce que c'est pas pris en compte. Donc tout ce qui est lié aux points de vie devient OZEF. Après, il faut savoir que les objets bleus, c'est des objets qui peuvent être à plus ou moins un double tranchant. Ça vous offre quelque chose en contrepartie de quelque chose d'autre. C'est rarement... Il me semble que c'est les objets bleus. Vu que le scarab était bleu, si j'ai pas dit. Parce qu'après, il y a les objets rouges qui vous aident vraiment. Mon dieu, mais je suis content de choper des feux d'artifice. C'est le rêve. Et vous avez les objets jaunes qui sont rares et les objets rouges qui sont très puissants. Ouais, voilà, exactement. C'est très bien dit. Les objets lunaires sont des objets maudits. Donc ça vous a apporté... Bon, en soi, ça dépend de votre façon de jouer, mais ça peut vous apporter plus de bien que de mauvais, hein, évidemment.
Mais en fait, c'est un truc qu'il faut connaître, je pense. Les objets bleus, je vous conseille de les connaître parce qu'il y en a différentes sortes qui sont pas forcément à votre goût. Typiquement, l'objet qui vous donne deux fois plus de dégâts contre la moitié de votre point de vie, je suis pas fan en vrai, parce que les dégâts, je trouve qu'on en fait bien assez. Alors, je viens de choper une Pridag encore. Let's go! On va faire du saignement. Du coup, j'étais complètement ailleurs. J'ai pas. Il faut que je tenir. Ah, tu es méga fan. Après, je trouve que. Typiquement, cet objet-là, il faut que tu le couples avec. Alors, pas avec le scarabée, parce que hier j'ai fait une session où j'ai eu les deux. Je trouve que c'est pas mal de le coupler avec. Oui, en fait, pour le coup, cet objet-là, c'est mieux si tu accentues ton côté force de frappe, en fait. Le but, c'est de tuer vite fait, quoi. Ah là là. L'opus de Gorag. Ça, c'est l'objet. L'objet, là, ça va me rendre foufou si je l'active. J'aime bien dire ça. Ça me rend foufou. Je viens un badass. Bon, j'essaie de trouver les. Je sais pas s'il y a des endroits précis pour le nid, mais j'essaie de trouver des nids. Ah! Let's go! T'as vu ça? Vous entendez un bruissement lointain. Mais combien de nids, tu sais à peu près ou pas? Ou c'est random? T'as vu, j'avais du flair là? Ça sent l'œuf. Ça sent l'omelette là. Il y a de l'omelette pas loin. Ah ouais. Donc là je suis à deux. Genre j'ai le temps quoi. Let's go pièce lunaire. Oh il y en a un là. Let's go. Le bruit s'accentue. Oh là. Un boss! Attention, je vais activer mon ulti, vous voyez, je commence à tirer vénère en mode critique et beaucoup plus rapide. Là, le but, ça va être. Vous avez vu son saignement? Il est à 37 là. Le but, c'est d'accentuer le saignement au maximum sans lâcher. Les saignements vont énormément de dégâts. Hein. Vous voyez, sa vie elle descend toute seule au bout d'un moment. Ah voilà, c'était ça que je cherchais à faire. Je sais pas si c'est à cause des nids que je l'ai invoqué. Hein. Je savais pas le système des nids. Merci Azai pour les nids. Et voilà. Ah voilà, c'était lui le boss des nids, donc c'était lui que j'ai cherché à battre parce que je savais qu'il y avait ça à faire dans l'appel de la sirène. Donc merci. Après, il y en a peut-être, il y a peut-être 6-7 emplacements différents en soi. Hein. Patte de chèvre. Alors, pour le coup, j'aimerais bien choper la grenade verte, je ne sais pas le nom de l'objet, je m'excuse. Qui me permettrait d'avoir une deuxième charge de mon triangle, en fait. J'aime bien cet objet. Je trouve ça très bien d'avoir plusieurs charges. Mais c'est l'objet que je préfère pas avec mon build, entre guillemets build, hein, évidemment, basé sur le saignement et la vitesse d'attaque. Mais un objet rouge là, c'est le boss qui me l'a lâché? Parce que je l'ai tué. Objet rouge, chance d'attirer tous les ennemis à proximité, crochet à viande intelligent. Ok. Est-ce que c'est une bonne chose d'attirer les... Donc oui, les gens si jamais... ouais, il faut savoir qu'il y a pas mal d'objets dans le jeu qui sont à découvrir et pas mal d'objets qui sont à débloquer en faisant des objectifs. Notamment, ça c'était un objectif, tuer le boss de l'appel de la sirène. Parce que c'est un peu un boss caché, hein. Il y a deux trois trucs comme ça. On va se TP, hein. Qu'est-ce que ça va être? Un vagabond errant. Est-ce qu'on le fume? Let's go. On va le fumer. Ah, il y a son pote en plus. Ils sont deux. Vas-y, on va fumer son pote aussi. Hein.
Regardez comment je prends pas de dégâts. Qu'est-ce qu'il va me donner? Oh, le masque! Let's go! Ah, donc si jamais, ouais, n'hésitez pas. Sur commando? Non, ouais, non, c'est cool de l'avoir débloqué. Hein. Non, ouais, en soi, c'est pas tout qui est justement. Pas du tout. Pour le coup, je pense que le commando, c'est quelqu'un qui a une vitesse d'attaque, une bonne vitesse d'attaque. Faible. En soi, mais rapide. Donc je pense que c'est une bonne chose de faire un build comme je fais, tu vois. Donc d'améliorer sa vitesse d'attaque encore plus et des saignements. Parce que les saignements, t'as vu, ça fait mal. Et le fait de pouvoir attaquer vite, je pense que c'est son atout. Et à distance, du coup. Le but, c'est de rester à distance. Hein. Donc d'être très mobile. Très mobile. Tirer très vite et appliquer du saignement. C'est ça mon but principal. En soi, tout ce qui peut améliorer ce côté-là, je suis fan, tu vois. Et évidemment, je pars sur le principe que vu que je suis censé être très mobile, hein, ça fait partie de ce que j'ai envie de construire. Le côté point de vie, c'est un peu Osef, tu vois. En soi, le fait d'avoir le scarabée, j'aime bien. Et d'ailleurs, il faut que je regarde. Parce que là, pour le coup, je sais pas si t'as vu, mais le scarabée, ça te donne un shield. Ok, mais le shield, il te protège de plein de choses. Hein. Et je sais pas de quoi. Oh, la prairie céleste. Je n'aime pas ce monde. 10-30 niveaux. Let's go. C'est quoi ce bruit? Quoi ce bruit? Le gros bruit. Ah, il y a un magma, ok. Allez, on va le fumer avec l'utilitaire là. Regardez comment il saigne, le vilain. Alors, il y a un objet qu'il faut que je chope. Je sais plus lequel c'est. Qui fait. Alors, c'est un complément, hein. Ça va avec mon build. Je sais plus le nom de l'objet, je sais plus la gueule qu'il a. C'est un objet qui. En fait, qui fait que quand vous infligez des coups critiques, vous avez des chances d'infliger encore infliger des saignements aussi. En fait, ça complète mon truc. Hein. Surtout que les chances de coups critiques, j'en fais beaucoup. Avec l'utilitaire, j'en fais tout le temps. Donc ça va avec. Hein. Ok, let's go. Putain, il m'lâche des verres de magma comme ça au calme. Il y a une cloche pas loin, j'appelle ça une cloche, hein. Vous m'excuserez, mais pour moi c'est une cloche, on est d'accord. Cloche volante. Nous ne sommes pas dans un monde de foufou. J'adore, il a envoyé son cube. Pour info, pour ceux qui jouent pas trop au jeu, vous avez un exploit à réaliser dans le jeu, un défi. Qui consiste à détruire des astéroïdes, là, un certain nombre, je sais plus combien. En vrai, c'est pas trop dur. Hein. Là, je suis assez loin et je fais le kéké, mais vous pouvez vous mettre tout au bout là-bas, de l'autre côté. Vous avez des plateformes, vous êtes en face. Voilà, petit cadeau. Il y a des petits trucs cachés comme ça. D'ailleurs, ici, c'est une zone où il y a un TP pour aller dans la zone d'artefacts. Ce qu'on va faire d'ailleurs, si on peut le faire. Parce qu'il faut qu'on débloque les artefacts. Une réaction de dégâts fixe de toutes les attaques, ça c'est bien en soi. Hein. Ouais, accentuer son. Putain, mais je suis riche! Infliger des plus de dégâts et plus de points de vie, ça c'est cool aussi. La clé en Osef. Ouais, on est Osef. Il faudrait que je trouve un recycleur du coup. Pour recycler mes objets de soins. Là j'ai toujours deux cubes standard. Y'a du bruit? Ah ouais. Oh là là, il a pris vénère. Ah, journal de monstres. Vous avez une encyclopédie dans le jeu si jamais les gars complétez les monstres, les persos, les objets, tous. En soi le jeu est bien, il évolue bien. C'est un jeu qui mérite
sa place dans votre bibliothèque, je pense. Dans le style, si vous aimez le style, je ne vais pas activer le TP maintenant, évidemment. Petit jeu sympa qui joue au multi, en vrai, c'est très sympa de jouer au multi. Sortez 4 joueurs, c'est vraiment cool. Je vous invite à le faire. Bon, allez. On va voir si la chance est avec nous. Let's go! Et c'est une tridague! Et c'est un one shot, let's go. Bon, ouais, bah on a fait un hôtel de fronde propre. Let's go, je crois que j'en ai eu un deuxième. Bon, j'ai rêvé. Ah, un hôtel de triton, let's go. Un hôtel de triton, ça va faire apparaître un portail. Il va vous emmener dans une zone secrète. Il y a des hôtels de tritons à plusieurs endroits, il faut en activer plusieurs pour un défi. Alors Zai, oui, et j'ai envie de te dire non. Ça dépend. En soi, je suis d'accord avec toi. Le steak, c'est pour la vie, hein, ça sert à rien. Ouais. Perso, je pense que si tu joues à 4, ça reste le jeu, tu joues en pote, en vrai. Et tu... j'ai bugué hein. Donc, l'hôtel d'offrande, j'ai fait les deux, il y a celui là dessus là. Ouais, j'en avais vu deux. Merci. Ouais, du coup je pense que c'est un jeu qui joue à 4 mais à 4 entre potes, tu vois. Parce que forcément les mecs ils vont jouer. S'ils jouent à 4, ils vont pas être en mode genre tiens je te laisse du stuff. Ils vont prendre tout pour leur gueule et puis au final toi tu vas te retrouver dans une zone fin de game, tu vas mourir et puis basta quoi. Oh une tridax si c'est pas beau. Ouais, je vais monter, hein, j'arrive. Je n'aime pas trop de me faire agresser, là, messieurs, dames. Mesdames, messieurs. Je sais pas trop si vous êtes des hommes ou des femmes, en vrai. Désolé, c'est pas marqué dans votre biographie. On va réveiller le rose. Eh, on a de la chatte sur l'hôtel, là. Ah, deuxième. Troisième, non. Quatrième. Ok, en soi, on n'est pas trop mauvais dans les hôtels. Ça fait plaisir. Ah, la mobilité devient intéressante. Mesdames, messieurs. Oh, une plume. Et un hôtel encore. Et il y a un hôtel là-bas, tout en haut. Let's go. On est château sur le premier tirage de l'hôtel. Hein. Si tu remarques là. Ah, on a des bons hôtels aujourd'hui. C'est cool. En vrai, c'est cool. Je vais aller là-haut. Oui, là, vous voyez, dès que vous êtes assez allégé. Dès que vous avez assez de mobilité, le jeu devient tout de suite un peu plus agréable en vrai. Hein. Enfin, agréable dans le sens. Moi j'adore jouer en termes de mobilité en tout cas. Pour les déplacements et tout. Ah, l'hôtel de combat. Ah, le lance. L'hôtel du combat. Ça va faire pop un mob. Des mobs, on va utiliser l'ulti. Hein. Let's go! Ah. Et voilà. Même pas peur. En vrai, on est bien stuffé. Le scarabée, je trouve vraiment fort. En vrai. Les dégâts que tu reçois sont ridicules. Je sais pas trop comment, qu'est-ce qu'il prend en compte dans le scarabée, mais c'est vraiment fort, je trouve. En soi, le défaut, c'est que justement, normalement, je vous dis ça, le shield va se régénérer hors combat, enfin après un temps où t'as pas reçu de dégâts. Alors, je sais pas si c'est, j'ai one shot le truc. Ok, bon. Je sais pas si c'est parce que je prends pas de dégâts. Actuellement. Mon dieu, j'ai un grappin qui me suit, au secours! Tu vas aller voir dans le trou là.
J'ai l'impression d'être un marsipulami, quoi. Ah là, ça, c'est de la référence, mon gars. Ça, c'est ça qu'on aime. Voyez, là, vous avez largement de quoi faire. Ah bon? Carrément? Bon, ça aussi, ça se travaille, du coup. Je pense en termes d'items. Ok. On y va, on y va. Let's go. On va aller. Est-ce que j'y arrive? Oui, là, typiquement, il n'y a pas de route. Normalement, il y a une route. Oui, il y a le. Attendez, est-ce que je l'ai? Petite pause hein, dans mes items. Je sais plus. Il y a tellement d'items, franchement, les connais par cœur, des fois c'est chaud. Oui, il y a un item qui te permet d'être plus rapidement hors combat. Est-ce qu'on va y arriver? Non! Ça m'a TP. Alors, dans ce cas-là. Donc, je me permets, hein, vous voyez, parce que de toute façon, je prends pas de dégâts dans le vide. Dans ce cas-là, l'autre technique. Ça, c'est une autre technique que je vous apprends. C'est que de toute façon, les trucs qui sont en dessous de la map. Bah en vrai c'est pété parce que ouais. Ouais en fait non c'est parce que je prends pas de dégâts en fait. C'est pour ça que je suis toujours full vie. Parce que je prends pas trop de dégâts quand on continue. En fait. Bon là je suis pas trop emmerdé. Le truc c'est de. Regardez, je vais vous montrer. Donc les endroits là ils sont sous la map. Qui m'a. La bolos là. Ok. C'est bon là? Ok. Donc vous repérez. Si j'arrive à me repérer, évidemment. Voilà, donc ici c'est où on était. On essayait de faire du jump dessous, là où on est à peu près. Donc le truc à faire c'est de repérer. Donc j'imagine que la porte celle-là, où c'est fermé. Normalement, si ça n'a pas changé, vous pouvez faire ça. Voilà, vous regardez en dessous. Et pour traverser, vous embêtez pas. Simplement. Juste à un moment, retire votre chute. Alors, pour ce... voilà. Alors je sais pas. S'il y a plusieurs codes pour plusieurs mondes, peut-être qu'il y a des codes secrets, hein. À mon avis c'est possible. Mais le code de base c'est ce qui est marqué là, hein. C'est-à-dire carré, 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 triangle. Voilà. Hop là, vous activez. Voilà, c'est bien ce qu'ils sont. Après je pense qu'ils sont... Ils doivent être dissimulés quelque part, etc. Ça c'est le code de base, c'est pour l'artefact, c'est très bien. Vous allez, si vous faites ça, vous allez dans le portail d'artefact où vous devez. Vous avez une zone où vous devez détruire une sorte de bouclier, d'artefact entouré d'un bouclier. Voilà, sacristie du rempart, royaume caché. Donc, ça, c'est l'artefact avec le shield. Le but, c'est de détruire des. Vous avez ça. L'ennemi n'a pas ce que sous forme d'élite, oui, artefact machin. Okay. Voilà, donc là. Vous avez la clé d'artefact. Cette clé d'artefact, vous allez à côté de lui ici. Je vais pas le faire tout de suite, je vais vite faire le tour de la map juste voir ce qu'il y a. Voilà, vous l'activez, ça va vous propulser, ça va lui faire des dégâts. À partir de là, vous aurez des mobs élites qui vont pop, des gros mobs et tout. Il hein. Faut quand même être assez. Faut avoir de quoi taper hein, quand même. Ne nous le cachons pas. Ouais, c'est ça. Normalement, je l'ai déjà fait une fois, donc l'artefact du code d'honneur. Donc qui font pop que des élites, je l'ai eu. Normalement si je la finis là j'aurai peut-être un autre artefact. Il me semble que tu dois faire plusieurs fois la zone, mais je suis pas sûr. Ou alors il faut faire plusieurs fois la zone dans la même session, je sais pas. Je te dirai ça dans quelques instants. Donc là vous avez du bonus, retenez bien vos menus, c'est toujours utile. Voilà. Hop là, donc là j'ai récupéré une pièce, là j'en ai une deuxième. Est-ce que ça sert à quelque chose? Je crois que plus vous avez de pièces, plus vous faites de dégâts. Vous avez vu, elle a pris des dégâts. Vous pouvez lui faire que des dégâts comme ça, hein, si jamais. Là, ça commence à pop gentiment. Après, vous aurez des balours, comme on dit. Elle tire des petits missiles aussi, hein. Faut pas rester à côté d'elle.
Voilà. Il faut savoir que les mobs qui tombent de la map sont tués. Hein. C'est des fois où vous avez vu, en tout cas avec le commando, ça les pousse un peu, les shoot. Oh, let's go, le cube là qui rassemble tout le monde. Ça fait du bien. Et vous verrez que... Ça j'en ai pas besoin en vrai. Vous verrez qu'il y a des gros mobs qui vont pop et eux ils vous lâchent des parties d'artefacts pour faire du dégât au boss. Ouais, ça a l'air pour non, c'était pas ça que je voulais, j'aurais pas dû prendre ça. Bon, tant pis. Plein d'objets à recycler en vrai. Ouh, quoique la barrière, elle peut être vénère hein, si je tue beaucoup d'ennemis là. Mais elle descend très vite, je trouve. Un peu parce que mes robots se battent contre des mobs que moi je n'ai pas eu. T'sais. Ça sent monstre élite. Si tu veux. Moi je fais pas trop la différence. Pour l'instant c'est des petits mobs. Hein. Normalement c'est des gros vilains. Et le pop des fois est un peu random donc je vous conseille de bien vous balader. Voilà, là ça c'est du lourd. N'hésitez pas à vous balader un peu sur la map aussi, c'est un petit conseil, c'est juste pour le côté faire pop les mobs. Bonsoir. Une plume, ça y est, je suis à combien de sauts là? 4 sauts? 1, 2, 3, 4, 4 sauts. Let's go. Cinquième plume, ça rigole pas. Là j'ai fait 5 sauts. 1, 2, 3, 4. Ah mais j'ai pas vu, il y a un truc là. Vous voyez, donc faites bien le tour de la map parce que des fois vous loupez l'objet. Le but c'est pas que ça dure longtemps. Toi je t'ai entendu toi. Allez, on va le pousser tranquillement hors map. Ouais c'est relou ouais. Il n'y a pas que ça, il n'y a pas qu'ici hein, dans certains maps vu que c'est un peu random le spawn des trucs. Faire des dégâts. Vous voyez que la difficulté, nous sommes dans la dernière difficulté. Qui ne va pas s'arrêter. Mais qui va faire mal hein, au bout d'un moment. Des mobs ils vont arriver dans un bon mood où ils peuvent. Où ça? En haut. En haut. En haut. Attends, je vais m'occuper de Gringo là. C'est limite, je peux voler quoi. Ok, je sais pas si ça peut disparaître. Peut-être les trucs, les TP sont pas... Non, regardez ça, le magnifique cube qui attire le... le golem dans le vide. C'est trop bien cet ulti là. C'est fun. Voilà, mon robot qui tue un gars. Bon. Bon, ok, on va utiliser l'ulti là, histoire de leur mettre la misère. Ça, si vous vous demandez, c'est une bannière qui pop quand je passe un level et qui me permet d'augmenter ma vitesse d'attaque quand je suis dedans. Ça peut être sympathique, surtout quand vous faites des téléporteurs. Si vous voulez arriver à faire pop une sur le téléporteur ou à côté, par contre, bah ça peut être. Ouais, j'avoue, ouais. Par contre, ça peut être très mal placé et servir à rien en vrai. Putain là je prends du dot.
J'ai pas de clé, hein? Non, on est d'accord. Ça, c'est relou. Faut toujours faire le tour parce que des fois, tu peux louper des clés, je suis sûr. Tout. Oula, c'était quoi ça? Genre, il s'est fait attirer dans le cul comme ça. Y'a une clé là? Non. Oui, c'est une clé. Limité à moitié dans le sol, quoi. Tiens. Encore une clé. En vrai, c'est une salle de survie, ça, c'est cool en soi. J'aime bien l'idée, tu vois. Pour un jeu comme ça, faire une salle de survie. En soi, le jeu, c'est de la survie. Non, mais une salle spécifique. Tu dois faire vraiment. Tes compétences de tueur sont mises à l'épreuve. Encore, vous voyez que je joue très tranquille. Dis donc, monsieur, ça te dirait d'aller enflammer d'autres gens? Allez, regardez-moi ça. Un golem encore qui s'en va vers d'autres cieux. Petit hommage pour lui. C'est beau, c'est très beau. Est-ce que je peux l'activer ou je dois attendre un peu? Je peux l'activer, voilà. Bim. Voilà, le boss, c'était ça le boss, c'est magnifique. Et donc, nous avons l'artefact d'honneur. Oui. Tout à fait. Donc, c'est que je ne sais pas si ça m'a donné autre chose. Malheureusement. Ou si vraiment... On verra. On verra. D'ici que je finisse ma session, là ça fait déjà. Ouh là là! Ah ouais, ça fait déjà 70 minutes que je suis in-game. Bon, la difficulté va gentiment être vénère pour que je fasse attention à mes fesses. Ok, donc en fait c'est ça. C'est que. Ok, merci. Voilà, merci pour l'info. Donc ouais, voilà, si vous avez remarqué, retour au niveau 1. Et donc on peut continuer à faire des sessions. Ok, notre code, ça marche. Et ces codes, tu peux les trouver in-game, je pense. Ils sont un peu planqués. Certains endroits, j'imagine. À mon avis, Internet est là pour t'aider aussi. Certainement. Oh là là. Ça, c'est des mobs. Eux, ils font mal. Eux, c'est des vénères que je n'aime pas. La dernière fois, je suis mort à cause de certains d'entre eux, là. J'aime pas trop leur style, là. Ça dépend après quel mob vous avez, hein, évidemment. Parce qu'il y en a qui font plus mal que l'autre. Mais en vrai, le cube, là, en mode soutien, est trop cool. Et oui, ils sont vénères. Ok. Donc ça, c'est des trucs cachés, quoi. Ça marche. Merci pour l'info. C'est cool. Tramizai qui connaît assez bien le jeu des gens. Pas de dégâts de chute. Alhamdulillah, comme on dit. Qu'on gagne assez vite. Let's go, sol de serang, c'est cool. On gagne assez vite. Donc, du coup, chargeur, steak. Les steaks me servent à rien, on est d'accord. On va prendre le chargeur. Hein. Ça me fait 4 charges de L2. Pas très fan, mais pourquoi pas. Que rien, on va dire. Le rapidement, une fois hors danger. C'est ça, voilà. Limace prudente, récupère rapidement une fois allongé. Ça, il faut que je maximise aussi. Ah, c'est le hôtel de la forêt, il faut que je remaximise un, je l'ai pas fait encore. Voilà. Améliore entièrement un hôtel. Donc ça, ça fait une zone de soins, en fait. Oui, effectivement, ouais. À mon avis, c'est un système, en fait, de shield, qui te permet, en fait, de remplacer ton genou directement après la chute. Donc t'entends quand même le cri.
sais pas, il me faudrait d'autres limaces en vrai, hein. Ce serait pas mal pour la récupération hors combat. Ah, j'ai le truc qui me rend invisible là. Je l'avais pas vu. Oui, le bracelet vert. Quand je prends des dégâts critiques, ça me rend invisible. En vrai, c'est bien. Porte ici. Ok. Je visite un peu. C'est quand même intéressant le random. Oh, j'ai vu un truc qui me plaît là. Le pauvre gobelin là. Enfin, le pauvre golem. Offre un bouclier à rechargement. Ouais, ça m'a boosté mes points de vie, ça. Ah, c'est l'hôtel de Triton. Ah bah oui, parce que je l'avais activé dans le monde d'avant, mais vu que j'ai fait le TP d'artefact, je sais pas. Eh oui. Je me demande s'il n'y a pas des secrets avec les boulettes, là, aussi. C'est vrai que je découvre un peu tous ces secrets dans le jeu. C'est beau, c'est beau. Il y a du secret, j'aime ça. Ah, un petit bonhomme qui se fait soigner en permanence, c'est rigolo. Orange rouge, hein, le truc un peu style enfer un peu, ok. Ok, nice. Et du coup sur cette map t'es sûr qu'il n'y a pas du coup. Il peut pas être planqué quelque part où t'as pas à trouver du tout. C'est sûr, sûr. Je vais pas m'embêter à chercher en soi, hein, je te jure. Mais... Ah ok, ouais, donc c'est juste... tu sais pas, mais c'est parce que t'as pas trouvé, on sait jamais donc. Si ça se trouve, y'en a pas, si ça se trouve, y'en a un caché, c'est ça. Ok. Bon, y a peut-être un moyen d'ouvrir cette porte ou c'est du random. Dub. On va pas s'attarder, les gars. Ouais, ouais, carrément. Carrément. Ouais, la porte c'est random, c'est selon ta configuration du monde en fait. C'est cool. Ça, c'est un truc qui est cool dans le jeu. C'est le monde qui est un peu différent à chaque fois, etc. Ouais. Ça rend le côté genre refaire le monde. Ben, c'est pas refaire le monde en soi. C'est qui? Le vagabond errant. Encore 3. Vous allez mourir, les mecs. Hein. Je vous le dis. Vous avez pas trop de. T'auras même pas le temps de lancer ta Nova, mon ami. Désolé. C'est bien là. Il me fume avec le cube, franchement. Les mobs, ils ont pas de bol en fait, ils arrivent, bam. Ils sont absorbés. Surtout qu'ils ont un taux d'utilisation de ouf en vrai. Ils le balancent en 2-2, ils l'ont tout le temps.
Toi, tu l'as pas autant que ça, tu sais. Ah ben c'est fou, je deviens une machine gun. Je dirais une vitesse, c'est tout. Ah non! Je prends le portail! J'ai oublié. Ça va me valider le portail ou pas? Non. Ah fuck! My bad! Donc j'aurais dû prendre le portail bleu. J'aurais voulu prendre le portail bleu, aller voir ce qu'il y a. Merci beaucoup, merci. Tu vois, dans l'élan. C'est pas grave. Regarde, on a des élites VR qui nous attendent là. Ils sont tout contents de nous voir. On a sûrement notre hôtel de Triton qui se cache. On est bien. En vrai, ça te dirait de mourir? Parce que j'ai pas que ça à faire. Il y a d'autres ennemis à tuer, en vrai. Cette zone qu'il a créée là. Bon, voilà, j'ai du bon stuff en soi. La difficulté augmente donc faut que je fasse gaffe à pas prendre de coups, mais. Ce cube. Il me fume vraiment. Lui là, je l'aime pas trop lui. Je vais lui péter le cul vite fait là. Invisible ou invincible? Invisible, ok. Ah, ok, je savais pas, je crois que c'est la première fois que je croise Gringo. C'est fun. Waouh. En vrai, le surbouclier là, quand je fais beaucoup de shoots là, ça me donne 200 ish. 200-300 HP en plus. C'est worse. Hein. Qu'est-ce que ça va, monsieur? Vous avez un petit souci de décollage? Lalalala. Je commence à avoir une petite équipe là, mais vous pouvez pas trop voir là. Mais une petite équipe de drones. Attendez. J'arrive, hein. Déplacer en vrai là de l'autre côté, c'est vraiment où il y a vraiment rien comme ça. Vous pouvez vraiment voir. Est-ce que c'est perturbant? Là, je passe à droite. Ça, vous avez aussi la panoplie de. De tous mes robots qui m'accompagnent et qui, grâce à eux, je me fais plein de thunes sans rien faire. Quoi, le champignon t'a dit sur l'artilleur? Qu'est-ce que c'est? Ouais. Ah bah oui, évidemment. Les persos qui bougent pas trop. Je vois lequel tu parles. Yes, je peux transformer des trucs. Donc il faut que je transforme le steak. Qu'est-ce qu'il faut que je transforme, Zay? Tu connais un peu dans ma tête là, tout ce qui est lié à la vie là. Ah putain, mais en plus je suis emmerdé quoi, t'as pas le temps de pause quoi. Le champi, ouais, effectivement. J'ai des trucs à m'occuper en plus là. Il est où le champi? Les graines sont sur les champis. Les graines sont sur, merci. Qui sont au bout. Yes. Ok. Le medkit, ouais, c'est vrai. Yo Alex. Comment il va le Alex? Comment il va bien? Après, je sais plus. Voilà. Ça. La fleur qui fait des vagues de zone pendant le TP. Je laisse. Comment il va? La vie est belle.
pas belle, je sais pas. Est-ce que la vie, déjà, hein? C'est ça la question. Est-ce que la vie? Est-ce que tu es... Je suis stuffé en termes de imprimante là. J'ai 7 normaux. Bon, écoute, moi je vais plutôt bien. Écoute, je suis en vacances là, une semaine, sans boulot. Je profite pour faire du gaming comme il faut. Donc, ça va plutôt bien. Zéro chance les mecs. Zéro chance. C'est un truc qui me touche pas. Donc j'ai 7 normaux, 5 peu communs pour l'imprimerie. Donc il faudrait que je trouve une imprimante sympa. Let's go random. Non, cartouche. Bon, arrêtez de faire du... Ça me donne du... truc de soin, ça va me saouler. Bon, retourner faire du troc. Donc oui, tout va bien. Imprimante top 11, miam miam miam. Oh, ça j'ai quoi? Imprimante pour le lasso. C'est quoi le lasso déjà? Ah, je sais plus! Est-ce que le Zai, je sais tout, arrive à me. Oh là là! Let's go! S. Bon, en vrai, non, t'embête pas en vrai, j'ai plein d'objets. Hop, je vais en créer un. Comme ça me permet de savoir ce que c'est en fait. Hein. Voilà, permet de sortir rapidement d'un combat. Bah voilà, ça c'est bien ça. C'est ça qu'il me faut. Plus la régène hors combat. Et je viens de trouver le meilleur ami de Dio en plus. Je peux mourir une fois sans mourir. Et ça c'est fun. Est-ce que j'ai encore? Oui, j'en ai encore un. C'est bon. Il m'en faut plein. Il m'en faut plein, ouais. Mais j'en ai déjà 5, en vrai, c'est cool. Je suis refait. Oh, regarde-moi ça. Magnifique. Ça va m'être utile. Hop, t'as une barrière temporaire en cas d'ennemi dessus. En vrai, la barrière temporaire, est-ce que c'est... Ah merde, c'est quoi que j'ai fait, là? Ouais, là, je suis speed chance de bloquer les dégâts en approche. En vrai, c'est bien, le nounours, hein. Je vais en refaire un. Par contre, ouais, est-ce que le surbouclier c'est utile en vrai? Je devrais aller l'échanger aussi là, la gemme de Topan. C'est un peu... Ah ça y est, je suis très rapide maintenant. Ouais, je fais plein de feux d'artifice. J'ai eu combien de feux d'artifice depuis le début mon gars? Ah ça j'aime bien en vrai. Il va me prendre un lasso, j'étais sûr. Non, Topan t'aimes bien? Même avec le... Je vais prendre un... Même avec le scarabée. Bon, en vrai, j'ai vu que... Quand je tue un ennemi, ça me donne, ouais... Une centaine de HP en plus, mais ouais, est-ce que c'est useless? Ou pas? Est-ce que c'est pas useless avec le scarabée? C'est ça que je me demande. Ben c'est une bonne question. Après du coup faudrait que j'augmente mes PV max. Est-ce qu'on changerait pas de zone hein, parce que j'ai l'impression d'avoir fait un poil de tour. Peut-être oublier des trucs. Hein. En vrai je me sens pas de fouiller la zone dans le détail pour voir si je trouve pas les codes des fameux artefacts là, s'il y en a qui se cachent. Je suis allé n'importe où maintenant. Je suis Superman. Superman. Je ne touche plus le sol. Ça y est. Je suis devenu une légende. Ah bah tiens. Cette fois-ci, je ne ferai pas l'erreur. Ok? Je me casse des jambes, à foison. Du coup, let's go portail en vrai. Ah regarde, j'ai plein d'amis. C'est un peu nul les mecs, je m'excuse d'avance. Alors fais gaffe hein, parce que si on n'a pas de chance, on part sur du one shot là.
Let's go! Ça, c'est du boss, mon gars. Une graine de sangsue. Ouais, bon. Les mobs sont plus dangereux que les boss, quoi. Les mobs élites sont plus dangereux que les boss. C'est... c'est là que tu dis que le jeu... Ouais. Bon. Ouais. Je crois que c'est fermé. Là, c'est fermé pendant le truc de TP. Après, je sais plus. Je t'avoue que niveau orientation, je sais plus où j'ai le truc de recyclage là. Ah, il y a un robot là. Merci. Je sais plus où il est le truc de recyclage là. Parce que si tu mets un truc comme ça, il y a un coffre encore. Mais il y a des trucs que je n'ai pas pris là. C'est magnifique. Il faut que je finisse la TP d'abord. Là-bas aussi. Ouais, si je la mets comme ça, ça va pas prendre la dernière en date. Hein, ça a tendance à même te prendre tes stacks, généralement, si j'ai remarqué. Ça te prend tes... Aïe! Ça te prend tes stacks avant de te prendre les objets solo. Ouais, ça me prendra plus les lassos. Alors, pas véridique, hein. Il me semble, hein. C'est pas du concret. Mais il me semble que ça a tendance à prendre dans tes stacks plutôt que prendre un objet tout seul. À vérifier, évidemment. Le portail bleu. Le fameux. Donc là, j'avais ça. Ici, ça. Cartouchière, why not. Le robot, là. Alors maintenant, il va s'agir de... m'en rappeler... J'ai oublié plein de trucs en vrai. Regarde-moi ça. Ces capsules de thunes. Est-ce que c'est important? Non. Est-ce que je vais m'amuser à chercher le truc de recyclage? Non plus. Désolé, je ferai ça ailleurs. Parce que... Let's go, portail bleu les gens. Portail bleu, c'est bon. C'est le portail bleu. J'ai pas beaucoup de thunes, j'ai 5. Je peux prendre un objet rouge, je crois. Selon l'objet rouge qu'il me propose. J'aime bien les objets rouges. Non, hop! Le portail bleu, ça vous amène au royaume caché, le bazar entre le temps. Et il y a le Jimbo que j'ai déjà livré. Je suis sûr qu'on peut le tuer, lui. À un certain level, on peut le tuer. Tu peux lui faire des dégâts, au bout d'un moment, il te renvoie chez toi. Alors, le marteau. C'est en reforgeant 5 objets. Là, je sais plus ce que c'est. Vas-y, je vais prendre celui-là. Vous rêvez de flocons tombant silencieusement. Ok. Vas-y, hein, let's go, 5 objets. Ça va, c'est pas des objets. Après les avoir touchés à plusieurs reprises. Let's go, c'est pas mal ça. Dans le portail bleu, il y a un secret dans le vide. Genre. En bas, tu dis là, il y a quelque chose? Oula. Ceci n'était pas physique. En vrai, j'en sais rien. Tu m'as dit que dans le vide... Je te fais confiance. Je sais pas si... Qu'est-ce que c'est que ça? Oula. Ah ben merci Zai. D'accord. D'accord. Eh ben, let's go. Voilà. J'ai jamais pensé, ce jeu est plein de petites surprises. Champ astro. C'est dur comme zone. Ok. C'est quoi ça? Des dégâts en continu là? C'est quoi ce délire?
prends des dégâts en continu, c'est ça? Ok, je suis safe dans la zone. Ok. 2 secondes. C'est relou en fait, je vais remettre la cam de l'autre côté parce que j'ai pas l'habitude et puis... En vrai, les robots, on s'en tape un peu. Ouvrir l'aération de la cellule, c'est-à-dire... Ok, ça fait pop des monstres, je dois... Ok, ça marche. Merci Zai pour les infos. Voilà, là c'est bien d'avoir une petite bannière en plus. En vrai, en plus ça c'est des mobs relous, les mobs qui se TP là. Ceux-là je les aime pas. Et en plus ça a l'air d'être aléatoire parce que les mobs, il y a même le type de monstre. Ouais, exactement. C'est ce que j'allais dire et tout. En soi c'est cool. On voit bien le marteau en vrai. Mais je leur nique leur hammer. Ok. Roche de topaz, let's go. Et du coup là c'est une sorte de... Ah! En vrai je bloquais énormément de dégâts en fait. Ok. Let's go. Il y en a 9 en tout. Objet de monstre x5. Ok. x5. Ah ouais, mais c'est genre... Un truc genre... Il y a du risque, mais... De la récompense derrière. Ok. C'est bien. J'aime bien le principe. Par contre, il n'y a pas de drone rien et tout. Donc c'est vraiment genre... Tu te démerdes, quoi. J'aime bien comme tu dis ta nounours. Oui, les dégâts que je prends pas là. A chaque fois ça fait bloquer. Nounours x5. Et puis en plus je peux mourir une fois si vraiment. On verra, ça dépend si les monstres deviennent plus durs ou pas. Cristal de concentration. Ok. Ouais. Ah, je pense qu'avec d'autres persos, ça va être plus compliqué, hein. Non. Bah après, c'est ça qui rend les persos aussi un peu tous différents et tout. Il y en a qui ont des forces, d'autres des faiblesses. Et en plus, tu vois, je suis encore en mode chill, mais en vrai, j'ai de quoi faire du jump, du esquive, du double esquive, du triple esquive. En plus ils sont relous là avec leur Nova de glace là, quand ils meurent. Voilà, j'ai un surbouclier de ouf là. Vu que je tape du mob en boucle. En vrai quand t'as beaucoup de mobs c'est cool. Ouais, ah oui, vu que t'es solo et que c'est toi qui tues tous tes mobs. Waouh, un kit de soins. Je suis refait. Objet de monstre, ça veut dire que c'est... Eux, ils ont ça comme objet, c'est ça? J'ai pas compris. Non. C'est ce qu'ils peuvent lâcher? Ok, ouais, ils ont les bonus de ces objets-là. Bon, je sais plus ce que c'est l'autre là, je crois que c'est un truc de surbouclier. Et puis le kit de soin, ben, je veux bien, mais non, en fait. Enfin, regarde-moi ce surbouclier que j'ai. Ce truc de ouf, j'ai passé toute ma vie en double. J'ai mon shield et mon overshield.
couvert. Et encore, j'ai pas encore utilisé mon ulti là. Bon. Vas-y, on va utiliser mon ulti là pour le fun. Ok. Oui, bah oui, effectivement, ouais. Je pense bien. Teddy, tu te calmes, Teddy. On se calme. Bombe collant des speed. Ah ouais, c'est vraiment genre. C'est random quoi. Voilà, j'ai de la chance pour l'instant en vrai. Pour le côté random, c'est ça va, j'ai de la chatte. Là, je suis plutôt. Je suis plutôt bien en vrai. Oula, toi, tu vas te calmer. Toi, tu m'énerves déjà. Hein. Vas-y, vas-y, tire-moi dessus, tire-moi dessus. La provoque, quoi, ouais, la foutre. Ah, mais en fait, j'ai pas compris. Le grappin, c'est t'attire quelqu'un et puis lui attire les autres aussi. En fait, ok. Alors, en vrai, c'est pas mal en soi parce que mon L2 ça fait un peu des dégâts de zone quand je tire. Je coupe tout le monde quand je fais du L2, c'est pas ouf, hein, mais pourquoi pas. Méfie des feux follets là. Ouais. Se calme, se calme. Faut que je repère les zones. Ah, lui il est déjà là quoi. Tiens, on va lui bouffer. Hop. On va le faire saigner à mort. Oula, là j'ai pris du sale. Hein. Là j'ai pris du sale. Si j'ai pris du sale, je me suis mis en invisible, c'est-à-dire que j'ai pris un sale coup. Hein. J'ai pas fait attention. Faut que je fasse vraiment gaffe au feu follet quoi. Parce que c'est des saletés hein. Les autres ça va encore hein, mais les... Ouais ouais toi là. Oh, ah. Bien fait. Tu m'auras pas cette fois mon gars. Oula, y'en a un autre. Ouh le bâtard. Ah ouais ils ont quitté en faux 3, je me. Ouais, j'avoue, ouais. Encore, hein. Faudrait qu'il touche. Que guitare, ça passe. Oh, tiens, il me donne une guitare pour la peine. Ok. Il en reste 3. Il en reste 3. C'est quoi cette zone de merde? Ah, oh, c'est relou ça. Ils font du dot en plus. Les bâtards. Ça, ça va être relou ça. Ah, il tape, hein. Il tape à fond. En vrai, mieux vaut que je temporise un max. Hein. Yes, exactement. Merci, Ezai, pour le monde super sympathique et accueillant. Bon, là, j'ai deux fois ma vie, ça devrait le faire. J'ai beau prendre masse dégâts, j'ai plus de shit que de... En vrai, il faut vraiment que je reste dans la zone, parce que sinon... Je suis 15 ennemis en même temps. Ok. J'ai pas fait exprès, je suis désolé.
Bon. Je suis pas mort. J'ai toujours mon nounours de Dio. Donc je suis pas mort. C'est une bonne nouvelle. Ce n'est pas fini, mais c'est une bonne nouvelle. Oh là là, ils ont le masque. C'est-à-dire que s'ils font des critiques, bon, il faut qu'ils fassent des critiques, hein, mais ils vont en tirer plus vite. Chacun son tour, les mecs, chacun son tour. Ben, en vrai, ce qui est bien, c'est le là le combo grappin plus ukulélé, tu vois, ça les regroupe vraiment. Et puis, le c'est quoi qui fait des dégâts d'explosion là quand il meurt? Plus les dégâts de zone quoi, aux ennemis proches, mais en plus tu les regroupes, tu vois. C'est vraiment d'esquiver les attaques du feu follet surtout, parce que lui c'est une purge. Les autres c'est des petits zizi à côté. Là c'est encore chill hein. J'ai l'impression qu'il y a moins de mobs qu'avant. Quand même moins de mobs qu'avant. La fleur, ouais, c'est pas ouf. Ouais, mais pourquoi pas. Last but not least, comment on dit. Let's go, un peu de café. What else? Hein? Oliver Clooney, évidemment. Bon, on va direct lui péter le cul avec l'ulti. Voilà, ça n'a même pas le temps de tirer le pauvre. Lui on va le repousser. Ah ils ont Dio. Ils ont deux vies ces bâtards. Ah non, sérieux. Bon en vrai, moi ça me va parce que s'ils ripop derrière. Enfin s'ils sont, c'est à dire qu'ils vont prendre des... Ils vont prendre tous des dégâts de dot là. Hein. Regarde mon surbouclier là. Il bouge pas. Let's go. C'est le bordel. Ah oh, mais c'est trop bien. Ils ont Dio mon gars. Let's go. Ouais carrément. Parce que là il tape bien. Hein. En vrai ils ont pas les trois, il y a trois ultis, il y a trois objets là, les deux premiers plus le masque, c'est pas ouf pour eux quoi, en vrai. Regarde ça, ces bâtards qui revivent là en boucle. Let's go les gars. Évidemment il faut les tuer. J'imagine qu'il faut finir le taf. Je vais vite prendre l'objet, la tempête. Du dot, comme il faut. Merci la tempête de m'aider pour la fin. Arrêtez de revivre. C'est vrai, il y a un perso par rapport à ça. Let's go, c'est cool. C'est en femme, hein. C'est bon. C'est bon. Dio pour la fin, quoi. Ouais, c'est possible. En tout cas, c'est un exploit, c'est cool. Ça me permet de débloquer des objets aussi au pire. Hein. Bon. Très bel endroit. Maintenant, il suffit de trouver la sortie, j'imagine. On va pas rester avec ces kékés, là. C'est bon. Merci d'être passé. Merci. Au revoir. Je fais rien du tout, ça. Ouais, c'est cool. Putain, déjà 1h30 sans mourir, quoi.
C'est beau, ça fait une bonne session en vrai. Hein. Vas-y, je lui donne. Je suis sympa. En vrai, je devrais pouvoir me débrouiller sans. Topaz, vas-y. Hein. On va rester sur la topaz. Je vais voir s'il y a quelque chose là-bas. Recevez une réduction de dégâts fixes. Ok. Il y a 2-3 trucs à ouvrir ici, donc on va attendre qu'il y ait du mob qui arrive. Bon, on va ouvrir l'autre déjà. Oh, une pique. Let's go, chat, combien en pique? 5. 5 c'est pas mal. Ouais. J'ai fait jusqu'à 15 dans une des parties. Là. Histoire de booster vraiment les saignements et en fait personne résiste. Bah en fait, ouais, c'est comme la majorité des... En fait je pensais pas que ça se marierait assez bien en vrai avec le... C'est sérieux ça? Ouais, faut que je prenne celui-là. Je pensais pas que ça se marierait assez bien avec le scarabée, mais en fait ouais, ça dépend le niveau du topaz en fait. Et puis ici, comment... ouais. Faut que ça tire, ça atterraille quoi. Non, j'ai pas pris le feu d'artifice, je voulais prendre l'autre. Voilà, miss. Voilà. Le miss de ma part. C'est pas grave. Let's go là-dessus. En vrai, c'est pas mal. En vrai, c'est pas mal. Et en vrai, en tous les cas, ça reste pas mal dans tous les builds que tu veux créer et tout. Ben là, let's go le random, hein. Oula, mais y'a un vilain là! Tu vas te calmer, l'ami, hein! Scanner, hein, si tu veux, quoi. C'est pas en vrai utile, mais bon. Ah, il faudrait que je donne ça à un équipement en fait, ça peut être fort. Le gars il scanne pour moi tout le temps, je sais où il y a tous les objets. C'est worse. Je pense que ça peut être worse de donner ça à un robot. Pas un endroit de recyclage. Bon, quand c'est la première, hein, si tu remarqueras, Zai. De rien, hein, c'est ouf. Première bombe collante. Cartouchière, la bannière, lunettes. Let's go, lunettes. Seringue, let's go. Ah, ok. C'est déjà pas mal d'y aller une fois. Hein. Un bomb collant numéro 2. Imprimante. J'ai plus d'objets en blanc. Ah bah voilà, tiens. On va du scan mon ami. Je pense que c'est worse. Yes, un champignon. On aime les champignons ici. Tu as vu? Bouclier rechargement. Le bouclier rechargement, c'est la petite partie en bas, on est d'accord. Pas de petite partie assurée de mon bouclier. Ou c'est useless aussi. C'est ça que c'est. Vas-y, scan. Scan, mon ami, s'il te plaît. Ciao. Il était un petit monstre.
En fait, le fait de faire... Le fait de prendre un bouclier à chargement, ça augmente mes points de vie. Non? Ouais, c'est ça, ça augmente mes points de vie, du coup. Ah oui, puisque c'est déjà un bouclier à chargement que j'ai. Débilos. Merci de scanner, mon ami. Oui, non, vas-y, s'il te plaît. Je l'ai pas vu, lui. Ah, c'est un coffre rouillé. Excusez-moi, je fais que passer, hein. C'est quoi? Ah, ça coûte de l'or. Ah, c'est peut-être worse, hein, Ah, ça fait des dégâts ou pas en fait. Oh, j'aime pas. Et si je le donne aux mes équipements, est-ce que mes équipements utilisent mon or? Véridique, hein, la question. Si je le donne à mon équipement. Ouais, non, clairement, évidemment. D'ailleurs, celui-là, je vais pas le prendre pour pas me mettre en danger. Ah, ça peut-être, tu vas pas me répondre. Si je donne la mitrailleuse qui utilise de la thune pour tirer. Ah, mon équipement. Est-ce que mon équipement utilise ma thune pour tirer? Question à 100 francs. À 100 francs suisse, ouais. Question à 100 francs suisse. Ok, donc bon. Les boss n'ont toujours pas la carrure. Malheureusement. Vas-y, balance un scan. Moi j'aime bien, vas-y. Ouais. Moi je verrai le côté genre. Ils prennent ta thune, quoi. Sauf que tu contrôles pas quand ils tirent, quoi. Après, je pense qu'ils tirent pas tout le temps. Vu que c'est. De base, c'est toi qui enclenche et qui. Oula! C'était mes petits patounes. Plus confortable. Je crois que dans aucun de mes lives, on n'a pas vu mes pieds, quoi. Est-ce que tu aimes? Est-ce que tu aimes mes pieds? Ouais. Ça va être mon... Ça va être le moment... Le moment fixe. C'est quoi ça? Ah, le portail céleste. Let's go. On va faire ça, parce que... Parce que fuck. C'est vrai? C'est vrai? Bon. Techniquement, c'est la fin de la run. Techniquement, c'est la fin de la run. Vu qu'on va aller se sacrifier au portail céleste. Donc le portail céleste, si jamais il apparaît, les gens vous connaissez pas. Ça permet de débloquer des trucs. De réaliser, je crois, des exploits. Mais... Voilà, la seule option qui vous reste, c'est ça. C'est de mettre fin à votre run. Donc si jamais vous voulez pas mettre fin... Non, je déconne, il y a le portail qui est là. Entrez dans le portail céleste. Mais je l'ai déjà fait, je crois. Est-ce que je l'ai fait? C'est quelle heure? Non. Ouais, ça fait 2 heures qu'on joue, quand même. En vrai, c'est déjà une bonne run. Donc je vais m'arrêter là. Ça va être une belle fin. Je suis content de ce que j'ai fait, déjà. Une petite run, tu vois, d'une heure et demie et tout. Du coup, on va faire ça. Let's go. Êtes-vous sûr? Il vous précise quand même si vous êtes sûr. Oui, je suis sûr. Je vous offre des feux d'artifice en plus. Il faut appuyer plusieurs fois sur carré pour être sûr. Et voilà, c'est la fin de la run. Let's go, on a fait tout ça comme exploit. C'est bien, c'est très bien. Voilà, donc.
Pour ceux que... Ah, je l'avais pas fait. Ah oui, mais parce que je... Voilà. Donc on peut aller dans le journal, je vais vous montrer quand même. Avant de finir le... Donc là, vous avez tous les objets. Et ce qui est bien, si vous voulez en apprendre plus pour les détails, parce que le jeu est détaillé quand même, on va prendre la pique, la tridague, c'est ce que j'utilise tout le temps. Voilà, vous avez juste les détails. Donc 15% de chance de faire saigner un ennemi pour 240% des dégâts de base. Voilà. Et donc du coup... donc là, vous avez le nombre que j'ai trouvé au total de toutes mes games, le nombre total que j'en ai eu dans une game, donc je suis remonté à x16 dans une game, ce qui est pas mal. Donc là, ce qu'il faut comprendre en fait, c'est que, avec le saignement, c'est que, en fait, le saignement x1, pour le déclencher, vous avez 15% si vous avez une tridague, pour 240%, mais c'est le x1. Plus vous avez de tridague, plus vous avez de chances de stacker rapidement les saignements. Donc 240% c'est pour le x1. Vous passez, vous doublez à chaque fois en fait. 540% pour 580%, 540, je ne sais pas compter, c'est magnifique. 480, merci, pour cent pour le x2, etc. Donc on peut monter jusqu'à, dès que vous avez des trides. Quand j'étais à x16, je faisais du x50 en, eh ben, en 50 tirs, parce que chaque tir quasiment. En fait, en soi, vous n'avez pas besoin d'aller plus haut que x7. Par exemple. Parce que 15% de chance avec une tridague, il vous en faut 6 pour arriver à 90, donc 7 pour arriver à 105%. Alors les dégâts ne changent pas, mais tu regardes, tu remarqueras que le... En fait, les dégâts ne changent pas en soi, mais le... c'est le pourcentage qui change. En fait. Parce que moi je me suis dit, ouais, bah en vrai, dès que t'arrives à 100% de chance de saigner, tu fais saigner pendant un ennemi pour 240% des dégâts de base. Mais non, en fait, ça marche pas comme ça le saignement. C'est pour ça que c'est un peu pété. C'est que, en fait, le fait de stacker les saignements, ça augmente le pourcentage des dégâts de base, en fait. Et ça le multiplie. Alors, peut-être pas x2, hein. Je te le dis pas, je vais pas te dire de bêtises non plus, parce que ça, je sais pas. Mais il me semble que c'est x2, parce que ça monte très vite, hein. Ça monte très très vite. Et plus il a stack de saignements, plus. Plus il a de. Plus il prend de dégâts. Ouais. Et ça, j'ai pu le remarquer parce que j'ai fait le test. Du coup, j'ai eu de la chance. C'est du random. J'ai eu la chance d'avoir une imprimante. Ouais, j'arrive. Je vais aller voir ça. J'ai eu la chance d'avoir une imprimante de Tridag dans le premier monde. Dans le deuxième monde. Dans le deuxième monde. Pas dans le premier, dans le deuxième monde. Et j'ai tout mis. J'ai tout mis mes objets dedans. J'étais à x8, x10, je sais plus. Et je te mens pas, je faisais des dégâts avec mes armes qui faisaient 30, comme ça, hein. Chaque tir me faisait 30. Et j'étais à stacker x30, x40 de saignements, et mes saignements faisaient 400. 400 par tick. 400, 400, 500, ça montait 400, 450, 500. Ça montait de ouf. Et en vrai, tu fais des dégâts de malade. Donc voilà, les gens, pour ça, voilà. Voilà. Et il faut savoir que tous les objets sont cumulables, hein. Même les rouges, bon, franchement, les rouges, si vous arrivez à avoir plusieurs rouges, c'est balèze. Le masque du bonheur, c'est stylé, en vrai. Vous avez une chance de faire pop l'ennemi que vous venez de tuer en fantôme avec vous, et qui inflige, vous avez vu, c'est marqué, qui inflige 1500% de dégâts pendant 30 secondes. 7% de chance, c'est pas beaucoup, mais c'est n'importe quel mob, par contre, hein. Des gros mobs élites, vous pouvez les faire pop aussi. J'en ai déjà fait pop. C'est assez marrant. Donc, vous voyez, et puis il y a des cadenas pour. Voilà. Sans récupération de PV, atteignez et complétez le troisième téléporteur. Ça, en soi, c'est pas trop difficile, hein, parce que il suffit de rusher le jeu. En vrai. Si vous rushez le jeu en facile, les mobs sont pas trop durs. Hein, vous pouvez facilement. Découvrir la chambre secrète dans l'aqueduc, par exemple, charger les téléporteurs en ayant moins de 10% de vos points de vie, des trucs comme ça, vous voyez, ça peut se faire. Et ça vous débloque. Et les autres, vous voyez, trouver cet objet dans le monde
Il y a encore des objets, excusez-moi, pour ce bâillement inopiné. Donc voilà, donc vous avez tout ça. Vous avez des objets, enfin les fameux objets bleus. J'en ai encore quelques-uns à découvrir. Les armes. Etc. Vous avez aussi, bien évidemment, les monstres. Ça, c'est assez cool. Vous avez des détails sur les monstres. Les points de vie max, points de vie qu'ils prennent par niveau. Donc c'est lié à votre niveau aussi, hein, par rapport à votre niveau. Vitesse, etc. En vrai, c'est plutôt détaillé pour un jeu. Et même les environnements, hein, en vrai. Bon, pour l'instant, j'ai le sacristie à rempart. En soi, pour un jeu, un petit jeu, ça reste un petit jeu, hein, c'est pas mal. Et vous avez les exploits, évidemment. Certains trucs à faire. C'est toujours sympa. C'est assez complet comme jeu. Du coup. Ah, mais j'en ai débloqué plus qu'un. Hein. J'en ai débloqué plus qu'un parce qu'il m'en manquait 4. Hein. J'en ai débloqué 3. Alors, j'ai la chasseuse, je l'avais. Poli, je l'avais. Ingénieur, je l'avais pas. L'ingénieur, je l'avais pas. L'artificier, je l'avais. Le mercenaire, je l'avais pas encore. Le samouraï. La chargeuse, c'est ça que tu dis, je pense. Chargeuse, ouais. Et la Creed. Très stylé, la Creed. La Creed! La Creed, ceux qui ont la référence. Ok. Voilà, ça c'était la blague du jour. Et du coup, il a une bonne tête, j'aime bien Creed. Et puis le capitaine, bon, là, que je peux essayer. Donc, inflige des dégâts aux ennemis correspondant à 10% de leur PV max pendant 10 secondes. Le poison ne peut pas achever les ennemis. Ok. Ah, et puis si vous demandez les gens dans Arsenal, vous avez d'autres compétences disponibles pour chaque perso. Des variantes. Donc c'est assez cool en soi. Ok. Vous permet de récupérer 10% de... à crédit, il fait du poison direct, donc faire des effets sur le perso. Vous permet de récupérer 10% de vos PV max pendant 0,5 secondes. Attendez. Excusez-moi, c'est juste que ma caméra qui est sur les trucs. Là, je vais la déplacer. Top. Hop là. Let's go. Donc, les attaques de poison infligent d'importants dégâts en continu. Ok. Donc, la majorité de ces attaques sont au poison. Ok. Blessure vicieuse. Donc, attends, je n'ai rien. Principale, c'est blessure vicieuse. Ok. Multile. Ah, il y a une attaque à distance. Ouais. Ouais, c'est pas ouf. Hein, les persos. Enfin, en solo, les persos corps à corps, je trouve ça pas ouf. Utile un ennemi pour 200% de dégâts, une frappe sur 3 vous régénère et inflige 400% de dégâts. Poison crache une boule, une bille toxique pour 40%, inflige des dégâts aux ennemis concernant les protons pas. Ouais, bon, le poison. Interrompt les ennemis et les étourdit brièvement. Ok, donc ça c'est tout poison. Poison étourdissant, saute dans les airs, laisse une traînée d'acide qui inflige 65% de dégâts. Poison libère une infection mortelle qui inflige 100% de dégâts. Infection pour qu'on ait invincible. En vrai, c'est sympa, mais c'est vrai que ça doit être compliqué à jouer, hein. La chargeuse. Alors, il faut savoir que. J'ai jamais eu. Il y a des persos là que j'ai jamais eu. Hein. Donc, chargeuse est immunisée aux dégâts de chute. Frapper des ennemis avec ses gantelets crée une barrière temporaire. Ok. Frappe les ennemis à proximité en plus 300% de dégâts. 320. Lance votre gantelet vers l'avant pour vous tirer vers la cible. Ah, bah, point grappin. Lourd. Charge un coup de poing perforant qui inflige. Ça, c'est de la fourchette entre 600 et 2700% de dégâts. Lance un pylône flottant qui électrocute jusqu'à 6 cibles approximées à plus 100% de dégâts. Peut servir de point d'ancrage pour le grappin. Ok. Donc, le grappin, c'est la compétence de mobilité. Ok. Ça marche. Et toi, du coup, c'est quoi ton perso Ok. C'est quoi ton perso préféré du coup? Oh, il m'en manque un. Le mercenaire, j'ai déjà testé, je n'aime pas trop le côté corps à corps. Hein. Ça doit être fort, mais pas au début de game. L'artificier, j'ai vu déjà, ça a l'air d'être un peu le mage du groupe. Hein. Ingénieur, charge jusqu'à 8 grenades qui affichent 100% de dégâts chacune. Pose une mine en deux parties en plus 300 ou 900. Une fois complètement armé, un maximum de 4 peut être posé. Installe un bouclier pénétrable qui bloque tous les dégâts. Chasseuse et chargeuse. Ok. Ok.
Intéressant. Installe un bouclier, installe une tourelle qui évite tous les effets de vos objets. Ah ouais! Les canons plus 100% au maximum de deux peut être installé. Alors tu vois, ça c'est pas mal parce qu'en fait ça fait vraiment bourrin d'ingénieur. C'est vraiment basé en bourrine, en tank. Ça fait tank en fait, je trouve. Mais du coup, là ce qui me dérange c'est que tu vois, typiquement je pense que c'est un perso que. T'es content quand t'as des bonus de mobilité, tu vois. Typiquement. Je pense pas. L'arsenal de commando est dur à débloquer sinon. Folie, c'est sympa. L'arsenal. Ah, bah j'ai eu la glissade parce que voilà. Porter le coup fatal à un verre surchargé, ce qui m'embête, c'est que c'est. Complètement. Ah, pas dur. Oui. Ouais, du coup. Ouais, alors oui. Ok. On est d'accord. Terminer 20 niveaux en une seule partie sans ramasser d'objets lunaires. C'est faisable, sauf que 20 niveaux c'est long. 20 niveaux c'est très long. Et en soi, vu que maintenant le jeu a une fin, tu dois magouiller pour revenir en arrière à tout avec les portails. Avant, tu faisais le jeu en boucle, tu rushais le jeu en. Rusher les portails en tant que commando, porter le coup fatal à un verre surchargé. Voilà, c'est ce que je disais, c'est que les verres surchargés, ben en fait ils pop random dans le jeu, c'est du pop random il me semble, donc je sais rien. Et puis nécessite commando maîtrise en tant que commando, bah le jeu où fais-toi oblitérer à Mansoun, je sais plus ce que c'est, mais bon, mais il me semble que c'est ce que je viens de faire en fait. Si je dis pas de bêtises. Ingénieur. Ok. Donc toi là, pour le coup, tu te dirais, en fait, il est fait pour rester sur place, parce que c'est son truc. Et il lui faut de la sustain quoi. Le but c'est de survivre. C'est vraiment un tank quoi. Il encaisse. Ok. C'est intéressant ça. Justement. Tu vois ça, typiquement c'est un mauvais jugement de ma part parce que je vois le jeu. Parce qu'au début en fait c'est ça le truc qui te présente le jeu avec le commando et la chasseuse qui sont très rapides. Ah ouais. Ok. Ah ouais, c'est tous les. Quand il parle des objets, c'est tous tes buffs. Vraiment tout? Ah ouais, donc en vrai, le. Genre le. Ah ouais, donc c'est vraiment fait pour. Ils ont tous tes buffs, tous les objets. En vrai, il y a moyen de faire des trucs sales avec, en soi. Parce qu'en fait, c'est comme si t'avais indirectement deux persos avec toi, en étant solo. Enfin, en solo, t'es pas solo, mais t'as compris quoi. Ah putain, c'est. En vrai, c'est balèze, j'aime bien. Là, tu me. Là, tu me donnes du envie de tester ça. Je testerai pas maintenant, mais. Ça me donne envie de tester, en tout cas. Ok. Alors, Ezo, hein? La chaise, excusez-moi. Oh bien. Le capitaine, je vais même pas essayer. S'il faut, j'ai essayé, c'est. Ouais, mais c'est ça le truc, c'est que tu vois, le jeu en plus, ils te le vendent comme un jeu où il faut être assez mobile parce que tu prends souvent des dégâts, des trucs comme ça. Le but, c'est de la survie, donc tu te dis, ouais, il faut quand même que je puisse esquiver un peu, que je bouge tout le temps. Ils te vendent le jeu avec le commando et derrière, ils te donnent la chasseuse qui sont quand même relativement mobiles en soi, les deux. Surtout que ces deux persos avec qui tu as de la facilité à tirer. Le commando c'est léger mais c'est rapide, tu peux facilement viser, et la chasseuse c'est des tirs verrouillés, tu vois. Et derrière ils te sortent des persos qui en fait se jouent complètement à l'inverse du truc, tu vois. Qui est pas mal hein, en vrai, parce que du coup il y a de la diversité dans le game, il y a carrément de la diversité dans le style de jeu.
Et je pense que des persos comme le mercenaire, tu vois, à mon avis, qui est pas ouf comme ça en soi, tu pourrais faire quelque chose de ouf en vrai avec, hein, selon les bonus que t'as. Surtout que le perso est mobile en soi. Moi, je trouve lourd. Je trouve lourd. J'aime pas du tout le mode de transport là, je trouve ça trop nul. J'aime pas du tout. Après, le truc qui est sympa, je trouve, c'est le côté double shoot là. Je crois que c'est ça, hein. Le côté double tir. Donc, tu peux tirer soit en rafale, soit tu mets un gros coup de snipe. Ça, c'est sympa. Après, c'est peut-être ça. C'est peut-être son bonus là, tout en bas qui est un peu. Je dis ça, si ça se trouve, en fait, c'est ça qui le rend balèze, quoi, tu vois. Vous permet de porter passivement deux équipements à la fois. Activer ratouillage pour passer de l'équipement actif à l'attaque principale de poly. Ouais, c'est ça qui est bête, tu vois. Après, peut-être qu'il est plus balèze avec les tirs secondaires. Hein. Enfin, avec les. Et là, il a deux autres tirs disponibles, je sais pas. Puis en soi, vaincre deux reines scarabées sans quitter la zone du téléporteur. C'est daubé, ça se fait. Hein. Porter le coup fatal à un seigneur démon avec l'accumulateur de prérons. Après, il y a des bonus aux F. Hein. Je ne comprends pas, il y a des trucs cachés encore, donc bon. Mais l'ingénieur, là, ça me donne envie, en vrai. Et j'ai même envie de dire, est-ce que c'est pas ouf de prendre. Genre. Tu fais un mur de tank, tu prends plusieurs ingénieurs en multits. Genre le truc de ouf. Tu te poses en fait. Position. Tortue. Paf. Ça peut être malaise en vrai. Ces genres de trucs. Tu l'as une bonne paire, juste pour le swag. Avec le. Ouais. Bah en fait, là, du coup, ce qui rend le perso ouf, j'y ai pensé, c'est que du coup, tes tourelles font des saignements aussi. Et ça doit se stacker avec tes tirs. En vrai, ça joue, hein. Ah bah ouais, le ukulélé, ça doit être. Attends. Du coup, on va faire un petit tour. J'ai pas tout, hein, mais allez-y. Par rapport à ce que j'ai, tu vois. On part du principe que tes tourelles peuvent utiliser aussi. Donc, la seringue, donc, qui augmente la vitesse d'attaque. C'est-à-dire qu'elle tire plus vite. C'est ouf, c'est pas mal. Alors, est-ce qu'elles prennent des dégâts? Est-ce que les. Ça, peut-être, tu peux me dire du coup. Est-ce que les tourelles prennent des dégâts? Est-ce qu'elles peuvent être détruites? Bon, tu peux en reposer, j'imagine, mais. Est-ce que. En soi, ça dépend du cooldown, mais en vrai, ce que je dis est useless. Ouais, tourelles, on est PV, ok. 15% de chance. Alors, autre question du coup. Parce que peut-être que tu vas pouvoir me répondre, mais. Alors, je sais pas si c'est visible en jeu, mais est-ce que. Vu qu'elles ont des PV. Est-ce que les objets style. Bah, style. Mais si t'as des champis, elles meurent jamais et toi non plus. Ok. Mais typiquement, ça. Le générateur de bouclier. Est-ce que si tu as cet objet, est-ce que les tourelles ont un générateur de bouclier aussi? Elles ont vraiment tout. Ça répond. En vrai, ça répond. Après, c'est ce qui est marqué et tout. Donc, juste que tu me confirmes ça. En soi, je pense que c'est ça. Mais. Je sais plus pour le shield, mais sans doute. Ouais, c'est ouf. En vrai, j'ai même pas besoin de faire le tour des games, parce qu'imagine. Bon, après, il y a que peut-être celui-là. Du coup, tout ce qui est. Ben, déplacement, tu l'as dit, hein. Tout ce qui est déplacement et tout ça, c'est useless. Les champignons, c'est cool. Ah, ouais, ok. Je testerai. En vrai, ça peut se faire. Hein. Le pied de biche, ça peut être cool. La tridague, du coup, ouais. La bannière de guerre, en vrai, c'est pas mal. Vu que tu. Si tu bouges pas, t'es toujours dans cette zone. Ça, bah, du coup, ça. En vrai, tu pars pas. Est-ce que la limace, c'est bien? Tu pars pas du principe que tu sors du combat. Au contraire, tu vas te poser dans le combat.
Le scarabée, c'est un big no. Ouais, c'est pas faux. Le scarabée, ça jouerait pas. 2 secondes après une blessure, récupérer 20 pour point V, plus un bonus 5%. Ouais, pourquoi pas. En cas d'ennemi tué, enflamme les ennemis dans un réel de mètres. Bon, ça, ça peut se faire. Ennemi à tour du sang, ça peut se faire. L'effet gratuit, ça peut se faire. Ça, du coup, non. Ajoute une charge à votre compétence secondaire. Ah, les charges, je suis pas sûr. Peut-être la charge du shield là. Je sais pas si le shield est très utile. Enfin, il est utile, mais je veux dire, si justement il a un impact vraiment dans le jeu. Je sais plus quel objet te donne. Je sais pas si c'est la charge secondaire du coup. Les bombes collantes, oui, ça, bon. CF, munitions perforantes, pourquoi pas. La topaz, j'imagine que. Ok. Donc ouais, donc pourquoi pas. Hein. Après j'ai dit ça. On revient. Excusez-moi. Je découvre. Hein. Thomas vendu du rêve avec son ingénieur. Secondaire, c'est les mines. Ok. Utilitaire, c'est. Donc c'est utilitaire. Ok. C'est utilitaire. Il me semble que tu peux avoir une charge utilitaire en plus aussi. Hein. Je dis pas de bêtises, mais. Le cristal augmente les dégâts infligés aux ennemis dans un rayon de 13 mètres. Ouais, les mines sont pas dégueu. Ouais, bon, alors, si tu. Pourquoi pas, du coup. Tu peux en poser 4 en plus. Je sais pas si t'as un stack de 4 de base, mais alors, du coup, ça t'augmenterait pas. Pourquoi pas. Augmente ta régénération de PV de base. Cristal, c'est non? Non? Tu penses? Ah, peut-être parce que tu pars du principe qu'en fait tu bourrines sans qu'ils. Enfin. Ouais, ils sont pas dans une certaine zone en fait, les ennemis. Tu les bourrines de loin, enfin de certaines distances. Ok. Ok, ouais, c'est ça du coup. Réduisez tous les dégâts en 35. Bon, pourquoi pas. Les missiles. Ah, les missiles c'est cool, puis en soit si les tours ralentirent. Feu follet. En cas d'ennemi tué, fait apparaître un pilier de lave. Ouais. Dans un rayon de 12 mètres. Bah pareil, hein, c'est selon la range, la plume on laisse tomber. Le ukulélé, évidemment. Les graines. C'est toujours utile. C'est coup critique améliore la vitesse d'attaque, bah, on va pas dire non en vrai. Hein. Surtout si ça marche sur tes tourelles. Quitter le combat, bah, c'est pas le but. Donc non. Kit de furtivité, c'était le bonus de déplacement. Bah non. Vous avez puis la combustible, ça permet d'obtenir une charge d'équipement supplémentaire. Ça c'est cool en vrai. J'aime bien l'avoir tout le temps dans le jeu. D'avoir ton triangle doublé selon lequel tu as. C'est cool. En cas d'ennemi tué, 10% de chance d'obtenir un pack de soutien qui réduit le temps de rechargement des compétences. J'ai envie de te dire oui mais non parce qu'il tombe où l'ennemi est mort. Donc si tu fais de la bourrine et puis que si t'es dans une certaine zone, si les ennemis sont pas encore à corps, Joseph. L'armure de 30 quand vous sprintez, bah non du coup. En cas d'attaque réussie, ralentit les ennemis. Bon, ça peut être bien. En vrai. Le but, c'est pas qu'ils s'approchent. Sauter tout en sprintant permet d'aller 10 mètres en avant. Ah, je l'ai eu qu'une fois, ce truc. Ouais, bah non, tu te déplaces pas. Activez votre équipement, vous obtenez 70% de vitesse d'attaque pendant 8 secondes. Ça, pourquoi pas. Hein. Marguerite, libère une nouvelle régénératrice sous un événement. Bon, si tu bouges, tu restes dans la zone du TP. Quand vous subissez un acte, vous allez exploser une déflagration de lame qui inflige. Vous frappez jusqu'à 5 cibles dans un rayon de 25 mètres. C'est peu, 25 mètres, donc on va dire non. 13 ans, bref. Active un objet en tombant le karma, attaque les ennemis à proximité avec 100% de vitesse d'attaque, dure 30 secondes. La vitesse d'attaque, ça peut être ouf ou pas ouf. À toi de voir. Parce qu'en soi, toi, tu tires plus vite. Je sais pas trop si tu. Ta tourelle, elle a pas d'équipement. Ah ouais, mais c'est pas grave, parce qu'en soi, ça augmente aussi la cadence des attaques des tourelles. En soi. Donc à voir. Franchement, à voir. C'est peut-être pas le truc à prioriser, mais à mon avis, tu vas pas le remplacer par autre chose, quoi. Tu vas pas le jeter à la poubelle. Je pense. Bon, je testerai, je te redirai. Les ennemis avec moins de 4 malus sont condamnés à mort.
ce qui augmente les dégâts qui subissent 50% toutes sources confondues pendant 7 secondes. Ça c'est cool, mais le fait d'avoir 4 malus, il faut qu'il ait 4 malus déjà. Donc il faut que tu aies de quoi poser 4 malus. Bon, les rouges, on passe vite fait dessus parce qu'il faut les débloquer comme les jaunes. Hein. Ah, tu penses? Ouais, tu crois? Je ferai un test. Franchement, il faudra un test. Après, c'est plus. Du coup, la seringue est plus sympa. Hein. Le masque à malus. Ah, ça? Le masque de condamnation à mort? Ouais, après, c'est juste qu'il faut pouvoir poser 4 malus. Mais en vrai, c'est. Moi, j'aime bien. Hein. Après, il faut. C'est juste qu'il faut les 4 malus, quoi. Et en soi, j'ai envie de te dire que ça va assez vite de poser 4 malus dès que t'as du stuff. La tempête de glace, c'est du corps à corps, donc non. Poison, c'est un malus. Ok. En cas d'ennemi tué, vous avez 7% de chance de faire pas de. Bah, ça, j'aime bien. Si vous arrivez à l'avoir, évidemment, c'est cool. Crochet à viande, c'est celui que j'avais. Ouais, Osef. Hein. Réduit le temps de rechargement des compétences de 25%. Ça c'est cool en soi, les rouges sont cool en soi. Évidemment celui-là en cas de mort, cet objet est utilisé pour revenir à la vie avec 3 secondes d'invincibilité, c'est cool. Offre la puissance de n'importe quel monstre et tuer pendant 8 secondes. Je l'ai testé. C'est pas beaucoup 8 secondes, mais c'est fort. Sachant que tes tourelles techniquement peuvent l'avoir aussi, c'est-à-dire que si elles tuent un ennemi élite de feu, elles peuvent tirer et enflammer les ennemis. Ça relie le côté genre les persos qui ont des malus et tout. En vrai, ça c'est balèze. Hein. Ça peut être balèze. Mais 8 secondes c'est très court en vrai. Et au début, il n'y a pas forcément beaucoup de mobs et tout. Je pense que tu te déplaces au début avant de faire vraiment le tank. Je sais pas. Je sais pas. Après avoir touché 5 ennemis, un ennemi 5 fois, réduit son armure de 60 pendant 8 secondes. Ça c'est bien. Je pense que c'est bien. En cas d'ennemi tué, plante une graine de frégénérateur qui devient une plante après 5. Excuse-moi. Après 5 secondes, la plante fait récupérer des PV à hauteur de 10% des PV max chaque seconde à tous les rayons de 5 mètres dure 10 secondes. C'est. Non. On va dire non, parce que en fait, le truc c'est que ça plante une graine là où vous tuez l'ennemi. Donc si vous faites de la distance. Pas ouf. Si vous l'avez, évidemment, c'est cool, mais pas ouf. Le nœud titanesque augmente les PV de 40 et la récupération de PV de 1,6 PV seconde. Ça c'est bien, évidemment, c'est cool. Graine à l'écran invoque. Alors ça je l'ai eu, la graine à l'écran vous l'avez quand vous allez à un endroit spécial où vous devez tuer l'Aurélionite. Voilà. Et je dis pas si je dis pas de bêtises, vous devez accomplir un certain objectif dans ce monde. Vous tuez l'Aurélionite. Il me semble que vous devez faire l'objectif un des exploits pour débloquer l'objet. Ingénieur, stacké en champi et en multi, c'est très bien parce qu'il fait zone de heal pour la cop aussi. Ah ouais, bah oui, clairement. Ça, c'est assez stylé. C'est vrai que ça, c'est un truc qu'on est. J'y pense pas trop au multi en soi, tu vois. Là, je pense vraiment côté solo, mais c'est vrai qu'en multi, bah oui, évidemment, c'est cool. Donc, ça, c'est assez cool. C'est assez rigolo, parce qu'à chaque fois que vous lancez un truc TP, vous avez l'Aurélionite. Je ne vous dirai pas ce que c'est. On essaiera de le découvrir ensemble le prochain live. Je vous montrerai, c'est assez cool. C'est un gros golem, ouais. Tombez en dessous de 25% de vos PV, vous faites exploser un flige blablabla de base. Se recharge toutes les 30 secondes, c'est cool, mais c'est pas cool parce que c'est du corps à corps. On reste toujours sur le côté bulle d'ingénieur. En cas d'attaque réussie, 10% de chance d'invoquer 3 boules de gamin ennemi, infligeant chacune 300% de dégâts. Ça, c'est assez cool. En soi, je l'ai testé, je l'ai eu 3 fois. Ça fait des petites des éclats des petites boules magma en-dessus des ennemis qui retombent au sol. Ça fait des dégâts, c'est pas mal. Hein. Inflige les coups critiques font saigner les ennemis et leur inflige 240% des dégâts de base. Les ennemis qui saignent et explosent en mourant, infligeant 400% de dégâts plus un malus de 4%. Donc, ça, c'est un objet que j'avais eu sur un de mes builds. Saignement, j'étais heureux. Quel artefact? Ouais. Ouais. Et puis, alors, du coup, voilà, ça c'est tout pour les objets. Donc, vous avez vu, ça c'est un peu la rareté, hein.
commun, un peu commun, rare, épique, légendaire. Non, commun, un peu commun, rare, épique. Disons-le comme ça. Rare, légendaire, comme vous voulez. Utilitaire et maudit. On va garder le terme maudit comme Zay a dit parce que c'est ça. Le verre profilé, celui ici, donc. Augmenter dégâts de base de 100%. Réduit les PV max de 50. Donc vous doublez vos dégâts, vous réduisez vos dégâts, vos points de vie par 2. Après, je pense que c'est pas mal, comme vous avez dit. Le scarabée convertit tous les PV sauf 1 en bouclier de régénération, offre 50% de PV max. Donc vous augmentez vos PV de 50% quand même quand vous prenez le scarabée. 25% par cumul, hein. Attention, vous ne chopez pas 50% à chaque fois. Moi j'aime bien, surtout que ça vous immunise pour pas mal de trucs. Mais ça rentre pas dans tous les builds, comme le... Vous avez dit par exemple, build ingénieur, c'est pas top. Fleur putide, PV 100%. Toute la récupération est appliquée, on continue, vous pouvez récupérer vos PV pour un maximum de 10% de vos PV max par seconde. Réduit 50% par cumul. Je ne saurais dire si c'est bien, parce que je vous jure que j'essaie de décrypter vraiment... Parce que quand vous le recevez en jeu, c'est marqué PV augmenté, mais... Alors, c'est marqué vos PV sont augmentés, mais votre récupération est appliquée en continu. C'est ça qui est marqué dans le game. Vous n'avez pas les détails comme ici. Hein. Et essayez de décrypter cette phrase. Vos PV sont augmentés, mais votre récupération est appliquée en continu. Moi, j'ai entendu ça la première fois, j'ai dit, où il est le malus? Tu vois? Bon. Voilà, donc... Ouais. On va dire moyen. Et la vision d'hérésie remplace votre compétence principale par regard vorace. Ok, ça baisse le heal. Ah oui, en fait, c'est le heal qui est pas le même. Ok, c'est ça, hein, c'est bien ce que j'ai compris. Ça pique du heal en continu, mais du heal lent. Ok. Donc c'est un compromis entre 100% de points de vie en plus, mais du coup, tu te heal beaucoup plus lentement. Ouais, ok. Donc c'est ça en fait. Donc tu perds de la régénération de points de vie en termes de rapidité pour booster ton pourcentage max de vie. Ok, bon. Alors ça les gens, vision de Rési, je l'ai eu, je savais pas ce que c'était, donc je l'ai pris avec mon commando pour tester. Et sur le coup, je me suis fait carotte sa mère. Pourquoi? Parce que en fait... Le souci de cette arme, comme c'est marqué, tire une volée d'éclats tracker qui finissent par exploser en fichant 20% de dégâts de base, ça voilà, contient jusqu'à 12 charges qui se rechargent en 2 secondes. Moi, là où j'ai eu mon souci, c'est que mon build qui est basé sur le saignement, ça va avoir des dégâts en continu pour stacker les saignements. Et le fait que tu tires 12 charges et que tu attends 2 secondes pour tirer, et ben en fait, ça nique les saignements, ça nique le stack saignement, ça a le temps. C'est... Donc voilà. Après en soi ça peut être pas mal, mais je pense qu'il en faut plus que 1 parce que 12 ça part vite, hein, voilà. Donc pas ouf. Voilà. Et ça, eh ben ça non, hein. Ça à mon, franchement ça je sais pas dans quel build ça pourrait être bien. Et j'essaie encore de réfléchir là. Parce que si vous avez pas compris, en fait, le truc qu'il faut retenir dans la description. 120 charges toutes les 20 secondes. Ouais, c'est-à-dire que pendant 20 secondes, tu tires plus. T'sais. Et ça part vite, hein. Ça part vite. Donc tu fais 5 secondes de tir pour 1 seconde de charge, en fait. Donc là, les gens, là, ce qu'il faut garder en tête dans la description, c'est le premier mot. C'est tous les personnages à porter. Parce que moi je me suis dit que c'est pas mal, mais en fait c'est là en fait où le côté maudit il apparaît, c'est que tous les personnages c'est tout le monde, hein. C'est vous, les ennemis, les alliés, c'est tout le monde. Donc en fait c'est un peu spécial parce que c'est un objet qui pourrait être bien en soi pour debuff l'ennemi, mais en fait il faut poser et sortir de la zone. C'est... Ouais, mais en fait le truc c'est que... Enfin je sais pas comment dire, imagine l'ingénieur, le but je pense que par rapport à ce qu'on a parlé c'est que tu bouges pas, t'es avec des tourelles. Et ton truc là, tu le poses, déjà un truc à savoir c'est qu'il prend la place du triangle, hein. C'est pas un objet...
C'est pas un passif. C'est un triangle. Hein. Ça remplace ton triangle. Et ça le pose à tes pieds, en fait. Donc imagine, là tu vois le côté un peu chelou, c'est que tu poses un debuff pour toi de base à tes pieds. Tu vois. S'il y a des ennemis dans la zone, ils sont aussi touchés. Mais toi t'es niqué aussi, tu vois. Et du coup c'est du corps à corps pur et dur. Je pense que c'est vraiment quand t'es corps à corps et que tu t'en fous de la vitesse et de l'armure. Donc du coup peut-être que ça se marierait plus avec un perso qui va corps à corps et qui s'en fout de la vitesse et de l'armure, tu vois. Peu d'équipement bien sur l'ingénieur. Après, bah, par rapport à ce qu'on a parlé, ça pourrait être bien en soi, mais le but c'est de jouer, à mon avis, de bourriner à distance. Après, si les mecs viennent corps à corps, ça peut être pas mal. Peu d'équipement bien. Attends que je réfléchisse. Je connais pas tout, hein, mais. Bah, le frénésie, ça peut être cool. A voir si ça s'applique, parce que c'est marqué aux alliés aussi, donc je sais pas si c'est des toits. A voir si ça s'applique, donc ta vitesse d'attaque est largement augmentée et tu fais du critique en boucle. Enfin, tu fais masse, tu fais beaucoup plus de critiques. Le viseur automatique aussi, là, le viseur qui fait que tu fais que des critiques pendant 8 secondes. En vrai, ça peut être pas mal. Gatling qui utilise ta team. Cool parce que t'en attaques. Ok, voilà typiquement. Ah ouais. Les missiles. Du coup, si tu dois toucher des ennemis en l'air, les missiles ça pourrait être pas mal en soi. Les lames, non. Ouais, c'est vrai que. C'est vrai. Pas évident. J'ai pas tous les équipements, tu vois, il m'en manque quelques-uns. Hein. Donc je sais pas, mais là, attends, on va se retourner. Les missiles jetables, 12 missiles qui font des dégâts. Bon, le truc c'est que faut attendre la recharge. Récupérer instantanément 50% de vos PM max. Pourquoi pas. Hein. Je suis prêt. Le cube en vrai, tu stack. Ouais, tu éloignes les ennemis. Associé pourrait même marcher. Vous soignez à hauteur de 20% des dégâts infligés durant 8 secondes. C'est pas mal pour ton pot, donc en vrai c'est pas mal, ouais. L'interface oculaire a 100% de chance de critique pour 8 secondes, bon, pourquoi pas, hein, ouais. Celui-là c'est pour se déplacer, donc non. Le financier, ouais. Le scanner, bah le scanner, non, bof. Transforme en boule de feu, ça te fait déplacer. Gagne 500 d'armure pendant 5 secondes. Recycleur. Ouais, non, recycler on s'en fout. Après, au plus de corail, tous les alliés passent en mode frénésie pendant 7 secondes, améliore la vitesse de déplacement, la vitesse d'attaque de 100%. C'est surtout le côté vitesse d'attaque, hein, déplacement, évidemment, on s'en fout. Et il m'en manque. Je les connais, je les ai pas tous. Mourir 3 fois de brûlure. 3 fois de brûlure. C'est pas évident à faire. Hein. J'adore mourir. Ah, ça c'est facile par contre, je vais le faire. Ouvrez le coffre à minuteur, ça faut que je fasse, je sais pas comment l'ouvrir le coffre à minuteur. Ok, le boss était pas tard pour avoir activé les deux hôtels de la montagne. Faut que je trouve les deux hôtels de la montagne, et ça, ok. Donc, à voir. Écoute, je testerai le perso, parce que tu m'as donné envie, mon zaï. C'est pas mal. C'est quelle heure? J'aurais des trucs à faire. Allez, fait, oui. Bon, du coup, c'est là-dessus qu'on va s'arrêter. C'était une bonne session. Ouais, on finit à l'obélisque. Je vais tester tous les persos en vrai, en soi. C'est pour me faire un avis. Hein. Ouais, ça me donnera des idées pour des builds et tout. Donc, ça va se faire. En attendant, moi je vais aller préparer le manger. Et oui. Application copine travail, je vais aller faire à manger bien évidemment parce que nous sommes quelqu'un de bien. Ah, il y a quand même la barre de progression là. Je viens de remarquer. Voilà, donc c'était sympa, hein. Ça fait plaisir. Je vais refaire des sessions de façon risque, peut-être avec Curtis s'il sera dispo. Je verrai s'il veut live. On verra s'il veut live peut-être. Merci beaucoup, Zai. En tout cas, merci de ta présence, de ton savoir.
et de ta présence, encore une fois, parce que c'est cool, ça fait du soutien. On essaie de faire au mieux. On va essayer d'attirer plus de gens, évidemment. Merci pour les conseils. J'espère qu'un jour, le cas, on aura l'occasion de jouer ensemble. Ce serait cool. Et puis sur ce, je vous souhaite la bonne journée, la bonne vie, la bonne santé. Portez-vous bien. Pendant que vous pouvez vous porter encore. Oui, c'est vrai, je ne l'ai pas salué. Salut. Ego Dazai. Bon. Hop. Je vous souhaite la bonne journée. On se voit prochainement. J'ai pas encore de planning parce que je live très irrégulièrement. Voilà. Il faudra que je fasse de la pub. Je penserai à faire de la pub pour mes lives quand même. Je profiterai du Discord de Curtis. Il m'a dit que ça ne gênait pas du tout, donc je vais le faire. Zai, à bientôt. Merci encore. Ça fait plaisir d'avoir au moins quelqu'un avec qui gamer. Et puis on se dit à bientôt. Hein ? À bientôt dans le game. Portez-vous bien. À bientôt les gars.